Bonsoir tout le monde. Bonsoir Ako, Nyushu, Ao, Etiko. Bonsoir Mako, merci beaucoup pour le sub. Coucou Madeline. J'espère que vous allez bien. Votre journée s'est bien passée. Ça va exploser. Voilà. J'avais plus l'habitude de bosser comme ça là, le mardi. Non pas que je ne bossais plus les mardis, hein, mais c'est juste que comme j'allais plus. C'était pas le même boulot que je faisais, c'est pas la même fatigue. Donc voilà. À peine rentrée, j'ai dormi. Alors, sinon, du coup, on est réunis ce soir pour une petite soirée JDR en compagnie de Kiri, Miri et Etiko. Merci beaucoup, Madiz, pour le sub. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Oh là là, un train de live, ça y est, déjà prêt là. Incroyable. Donc Miri qui joue Felsen, un nain. Alors c'est pas bricoleur, c'était quoi le terme, je sais plus déjà. Ça fait un petit moment quand même qu'on a pu jouer là avec les vacances. Felsen qui est un forgeron concepteur, voilà. Pour l'instant, il a plus les concepts que la pratique, on va dire. Qui est accompagné de son fier destrier Pferd, son petit sanglier. Kiri joue Klaus, donc un homme pas de caverne mais de la jungle, qui a grandi dans la jungle et qui est sorti là très récemment. Donc un peu très, très primitif, hein, que quelques mots de vocabulaire pour l'instant, même s'il est en bonne voie. Voilà. Klaus qui se balade avec, c'est juste, il ne sert pas dans l'histoire, hein, mais avec un petit piton normalement là sur les épaules, même si le MJ ne l'a pas fait son taf, il ne l'a pas représenté. Ensuite, Etiko et le MJ, justement. Et donc, moi, je joue Lysfendril. Lysfendril ici. Alors, attendez, j'ai pas mis Felsen. Felsen, Ferd, voilà. Lysfendril, elfe sylvain. Donc, qui a grandi là, dans sa forêt, qui s'est fait après enlever par des. Comment on appelle ça, là? Des esclavagistes, on va dire. Et qui s'est enfui, qui a réussi à s'enfuir quand même. Mais il en a pas conscience hein, d'avoir été exploité et tout, et qui est bard, voilà, et qui est accompagné de son fidèle destrier aussi, canne à sucre, voilà. Et donc, on s'était retrouvés, donc je fais un gros bilan, parce qu'en plus, il y a des petits nouveaux, là, qui connaissent pas forcément l'histoire. On se connaît pas du tout, on vient un peu des quatre coins de la Terre de Fang. Est-ce que je peux mettre la Terre de Fang, là? Est-ce que je peux vous mettre la Terre de Fang? Ouais. Donc, de mémoire, Felsen, Miri vient d'ici, à peu près, là, des montagnes du Nord. Moi, je viens de ce bois-là, de cette forêt-là. Et Kiri vient de la jungle d'ici. Et on s'est tous retrouvés vers là, je crois, à peu près, suite à un rêve, voilà. On a fait un rêve où on s'est tous les trois vus dedans. Et a priori, c'était un rêve différent, on a eu différentes infos. Et on sait juste que la quête qui est liée à ce rêve nous mènera normalement à notre gloire, voilà. Et donc après avoir subi une épreuve des dieux, enfin plus été avoir, enfin contre notre gré, on a été un peu utilisé par les dieux pour les divertir. Voilà, on a dû attaquer un campement gobelin et ils avaient parié. Sur notre mort ou non, voilà, on a réussi, on n'a pas galéré plus que ça, hein. On a poutré tous les gobelins assez facilement,
aux grandes dames du dieu Cornetto qui voulaient des effusions de sang et voir nous voir crever. Après ça, eh bien, on a eu une sorte de prophétie, enfin, un petit vieux là qui nous a donné une énigme, qui nous donnait plus ou moins le chemin. Et après concertation, on s'est dit que notre destination était le désert des plaintes. Voilà. Et donc nous, on était en chemin, justement. Et la dernière fois qu'on a joué, la dernière fois qu'on a joué, on était allé à Ploro-Doux sur Zblouf ou je sais pas quoi là, non, c'est pas ça. Oui, Ploro-Doux sur Zblouf. On était censé être des touristes, sauf que très vite. Ouais, mais là, c'est parce qu'il y a des petits nouveaux, c'est pour ça. Je reprends depuis le début. Où en fait, on s'est lancé dans une chasse aux vampires. Ça a failli être la fin de notre petite troupe suite à des désaccords pour savoir si les vampires étaient gentils ou non. Suite au fait aussi que Klaus, aïe aïe aïe, Klaus a été un boucher hein, dans cette session. Et a un peu choqué Felsen, mais surtout Lysfendril. En décapitant du coup les vampires et en lui montrant carrément là les têtes là qui dégoulinantes voilà dégueulasse. Finalement on s'est rendu du coup on allait où je sais plus ici là direction la cité Sylvestre oui de Talerfin voilà et en effet on n'a pas l'air faim parce que à peine arrivé dans les bois que heureusement que Lysfendril est là avec ses sens aiguisés. Parce que, à peine rentré dans les bois, il a juste eu le temps de crier au loup que une meute de loups se jetait sur nous. Voilà. Hop. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Je suis désolée d'ailleurs pour la qualité du stream parce que il paraît que j'ai des problèmes de co. Et donc, il y a certains collègues qui vont sauter. Ah, bah super. Ouais, Super, je me fais censurer, j'ai même pas encore commencé à faire mes vannes. je monte un petit peu vos sons. Hop, c'est tout bon. M. Du coup, vous avez bien 5 loups devant vous. Si vous regardez un peu le long du chemin, surtout Tomia, parce que oui, ils sont déjà. Ils sont là. Ce ne sont pas des branches ni des étrons. Donc vous avez bien 5 loups devant vous qui sont sur le chemin, et quand Lysandry va crier au loup, du coup Felsen et Klaus, votre attention va se porter sur les loups. Et Lysfendril, toi, je vais te demander un autre jet d'intelligence. Super, déjà, ça commence. Ah, ça commence bien là. Et tu vas Ça aussi commence rester bien. focus sur ces petits loups. Les petits loups qui arrivent droit devant là. Est-ce que t'as fait changer? Non. J'ai regardé les stats et c'est toujours toi qui as les meilleurs jets et moi qui ai les pires. Ok. Et ça fait Myriam, Irikiri, moi, en termes de qualité de jeu. Allez, bah ça dégaine déjà l'arc, hein, écoute. Ils sont Du coup, trop vous allez pipous, rester. moi je veux pas leur tirer dessus. Mais ouais, moi je veux être copain. Ok. Ah merde, je suis en cache, n'est-ce pas? Du coup, vous allez rester un peu focus sur les loups. Et dans votre dos, il y a un cavalier qui va vous charger. Et du coup, vous n'allez pas entendre l'idée, mais il va vous manquer. Ah! Une chirurgie Et il va se mettre de la ici, en fait. forêt. Et Klaus, tu vas remarquer que en essayant de t'attaquer, il t'a raté parce que. Il a été Il est gêné nul. par les arbres, etc. Meilleur. Mais il y a aussi sa bourse qui s'est prise dans une branche.
Oh, et, putain. Il s'est tombé des pièces d'or par terre. Ni une, ni deux. Non, mais... Je fonce et je ramasse les pièces que je ramasse, coup, que je mets dans ma bourse. Et on va tout de suite démarrer par... pourquoi c'est ça ? Un petit combat... Merde. Ouais. Si, attends, bah, attends, je vais vous le dire après. Par contre, on en parle que c'est un cheval qui a une crinière de feu, là. Ouais. Quand le cavalier va arriver, il y a deux loups qui vont décamper également. Ne t'inquiète pas, d'accord. Les yeux rouges restent close. Mais il y a deux loups qui vont partir la queue entre les jambes et les autres qui vont être prêts au combat. Voilà. On lance tout. Normal qu'il n'y en ait qu'un qui est parti, soit parti. Normalement, vous en avez deux. Ah non. Donc, ce que le MJ. Ça aurait comme si c'était pris un snap de Thanos. La pompe. Attendez deux secondes. Ok. Du fight. Et ça va être au cavalier maudit de démarrer, donc il va faire demi-tour et il va essayer de recharger close. Ah d'accord. Ouais, on... Déjà là. J'ai pris cette une. Oh putain. Attends, il va faire des allers-retours comme un con, je sens. Ah oui! Ah oui, un échec critique! Et à ce prix-là, il se prend une branche parce que moi je suis au-dessus des arbres. Il se prend une branche et il tombe de son cheval, non? Attends, il y a des trucs, il va peut-être péter son arme et vous avez déjà niqué mon combat. tableau critique, échec critique, tac. Je pense que j'ai une caractéristique chance cachée. Mais il n'y a pas d'allié. Donc attends, je... Ah si, attends. Si, si. J'ai... Il a un allié. Du coup, il va essayer d'attaquer... Non, il va essayer d'attaquer... Klaus, mais du coup, il va être gêné par les branches à nouveau. Et il va attaquer son cheval. Quoi ? Les pauvres cheval. Effectivement. Bah, le cheval est quand même en feu. Hein. Bah ouais, mais justement, enfin, ça doit pas être agréable. Oh la vache! Oui. Oh les dégâts qu'il met! Mais du plus 7! Faut pas qu'il nous touche! Ça va coup, mec, tu t'es pris un carreau de grosse arbalète là? Oui, enfin bon. Quand même. Après, vu les PV que t'as, en vrai tu t'en fous. Par contre, moi, il y a potentiellement une one shot. Ouais, t'as vraiment beaucoup de PV. Ah non! Moi je suis une chips. Ouais, il y a des chips. Du coup les loups vont se mettre en position pour... Ils vont pas forcément choisir pour le moment de camp. Ils vont venir se mettre devant vous pour être prêts à vous esquiver et vous contre-attaquer. Elsen. Je vais manœuvrer mon sanglier pour aller à côté de lui et lui mettre un coup de marteau pour essayer de le faire tomber de son cheval. Ok. Genre je fais ton jeu d'attaque avec avantage pour vrai avant, se niquer son cheval. Tac, et puis je reviens par ici. Moi je suis toujours face au loup. Ok. Du coup je te mets l'avantage vu qu'en vrai il vient de taper dans son cheval. Oh, j'y ai cru. On ne sait jamais s'il y a une critique. Bah ouais, j'ai cru là. Et les dégâts, c'est lequel des 2 dés ? Attends. Quand je t'affiche... C'est le... Bah t'as écrit dégâts au-dessus du marteau, oui. Là. Mais c'est le D6 plus 4. C'est le... Enfin, c'est celui-là que je... Ah oui, c'est... ouais, c'est toujours à l'heure, moi. Ok. Donc tu vas... Alors ça tombe bien. Hop.
ramener le cheval. Tu vas du coup déloger le cavalier qui va tomber au sol. Hop. Et c'est pas possible de faire que perdre le piétine. Je demande. De faire que. En sorte que perdre le piétine. Si dans la foulée du geste, si tu veux, avec l'élan. Alors. C'est où ? Je ne trouve pas son attaque. Il y a trop d'animaux que j'ai envie de garder. Je vais faire un zoo. Attaque 10. J'ai envie de devenir druide, en fait. Et bonsoir, Jean-Michel Bill, comment tu vas ? Ouais, vas-y. Il est au sol, donc en vrai, tu peux le faire deux fois aussi. Mais j'ai pas de... Je fais juste un des 10. Un des 20, ouais, il faut faire moins de 10. Oui. On va faire, du coup. Bah, je marche à côté, hein. Non, mais juste dans le feu de l'action, etc., il a pas réussi à le piétiner. Bah écoute, tranquille, hein. On reprend... On reprend la campagne après une petite pause. Apparemment, il a de tourner, là, non ? Ouais, direct il est même, par un coup, il vient de tomber de son cheval, donc là, il est même dos au sol. Dos au sol ? Pas dos à moi, du coup. Ouais. La tête est tournée vers toi et le dos au sol. Je vais quand même mettre. Ouais, mais je vais me déplacer et je vais foncer pour planter mon. Dans sa tête. Enfin, poignard dans sa tête. Du coup, attends, c'est quoi toutes tes 45 compétences qui permettent de faire ça proprement? Être dans le dos, c'est pas le cas, donc j'ai pas besoin. Mais je crois que j'ai rien de spécial. Bah, le frapper lâchement, il marche. Hein. Il marche, là ? Ouais, il marche. Bah déjà, je vais... Donc une fois que... Si donc c'est le dégât par deux. Je vais... Non, mais déjà, je vais voir si je le touche. Ouais. Donc Du coup, tu vises sa tête, on est d'accord. Ouais. Alors, attends, où est-ce que c'est là? Ah, j'ai trop de trucs. C'est le dé à 20 face, hein, pour... Ouais. Et c'est celui du bas. Ouais. Ok, donc je touche. Et donc là, je vérifie juste... Pour... Merde, je peux pas? Ah si, c'est bon. Donc, tac. Si une attaque réussit, multiplie total par 2. Ah non, une fois les dégâts de l'arme calculés. Ouais. Donc, il faut que je fasse les dégâts déjà. Ouais. Bah, je vais déjà faire les dégâts. Ils sont parce là. Que c'est facile pour faire x2, savoir combien. Ouais, mais genre, si les dégâts sont pas assez hauts. Je vais faire les dégâts x2 du coup. Avec frappé lâchement. Du coup, après l'avoir vu tomber, je vais rigoler et puis je vais lâchement lui foncer vers sa tête et lui planter ma dague dans le crâne. Tu vas lui planter ta dague dans le crâne, et ce qui est d'ailleurs littéralement un crâne. Donc c'est un squelette, hein, du coup, tu vas le voir de près. Et ta dague va rester plantée dedans si tu le souhaites, sinon tu peux la retirer. Mais du coup, t'as pas forcément de fusion de sang ou quoi que ce soit, mais tu lui as fait un trou dans le crâne. Et que je calcule ça, moi, de mon côté, ça fait... Hop. J'ai planté le module sur voir comment ils sont blessés, etc. J'essaierai de réparer ça pour la prochaine fois. Mais du coup, là, tu vois que t'as fait un trou dans son crâne, dans l'os, quoi. Ok, non, bah, je vais garder... Je vais récupérer mon... Ok.
Mais du coup, ouais, t'as planté ton poignard et tu la ressors. Ouais, crâne. Voilà. Je laisse pas mon poignard. Il est ouf, lui. Lissandril. Je vois que le cavalier maudit est déjà bien... Et puis, il est entre de bonnes mains, du coup, moi je m'occupe des loups là qui est en face qui me font un peu peur et j'essaie de leur tirer dessus. Oh, waouh! Sur lequel du coup? Sur le plus près, du coup, là, le plus gros. Ça va pas t'attaquer les loups? Ah oui. Bah attends, combien de dégâts ça fait en plus? Ça fait un dégât de plus. Ok. Donc je le mets. Omiri. Du coup, c'est quoi? C'est le jet d'attaque direct pour savoir si je touche et après. Ouais. Du coup, tu vas tirer à côté des loups. Ouais, c'était voulu. Classique. Non, pardon. La monture va mettre des coups de patte dans le sanglier qui est à côté de lui. Enfin, du coup, dans Felsen et le sanglier. Est-ce que Canasucre... C'est de piétiner, du coup. Est-ce que Canasucre tomber du sanglier peut intervenir, ouais, à un moment donné? Un poney dans le combat, moins, quand même. À part si c'est vraiment un truc plus utilitaire, quoi. Mais genre là, s'il voit que le cheval s'en prend à faire de... Comme c'est son copain. Est-ce que... Il a pas de truc de combat, en tout cas, en tant que poney. Okay. Et comme je suppose que t'es pas un elfe psychopathe, tu lui as pas appris à se battre. Non. Ouais, mais bon, les chevaux ont quand même une réaction. Du coup, tu vas te prendre des coups de sabot. Est-ce que j'arrive à garder l'équilibre ou pas? Vu les dégâts, non. Tu vas tomber de Ferd. Comment répartis les dégâts entre vous deux? Parce que du coup, t'as 13 de dégâts. Je te laisse répartir comme tu veux, entre toi et le... Sachant que t'as ton armure aussi à retirer, que c'est du contendant. Donc tu fais... t'as 10 à répartir en deux entre toi. Ouais, ils sont bien. Dis-moi, je sais pas. Genre, je sais plus où est mon armure, je saurais pas te dire combien ça me protège. Ça te protège de 3, justement, t'as plus que 10. Oui, il vient de te le dire. Ok, 10 à répartir, ok. Pardon, j'avais pas entendu. Ça va faire 5 et 5. Hein. Voilà, un pied chacun. Un pied chacun. Cavalier qui va se relever et attaquer Klaus. Donc il va essayer... C'est fou qu'il soit Klaus qui soit focus, quoi. C'est scripté, on dirait. Hein. Tu peux essayer d'esquiver le coup de lance si tu veux, Klaus, mais dans ces cas-là, tu pourras pas attaquer au prochain tour. Sinon, parer avec ta dague, je vois mal comment tu pourrais le faire. Bah, j'ai un truc parade. Ouais, bah vas-y. Je vais parer une lance avec. Une dague. Par contre, j'ai. Alors attends. Je vais juste vérifier un truc. Tac. Où est-ce que c'est? C'est ça. Je vais plutôt esquiver. Ouais. Je vais esquiver. Je fais quoi comme Dans le premier onglet caractéristique, t'as un jet d'esquive. Ouais. Et c'est quoi déjà ton truc d'esquive? On y reviendra après si j'arrive à esquiver.
Du coup, ça va être encore un truc pété. Alors du coup, tu te déplaces d'une case, en gros, où tu veux. Et il est où ton truc, truc. Tu te moques des gens, là. Je vais me décaler ici. Pour esquiver. Et du coup, j'ai pleutre qui s'active. Et donc, dans le combat au contact, je peux déconcerter mon adversaire avec ma manière inhabituelle de combattre en utilisant des techniques lâches et des mouvements désordonnés. Ainsi, à chaque fois que je réussis une esquive, je lance un D6. Du coup, bah, je commence à lancer le D6. On verra la suite après. Je vois les coups. Ok. Let's go. Du coup... Je vis le résultat. Parfait. Du coup, je vais esquiver et je vais faire un mouvement, genre je vais être un peu en mode crabe comme ça, en mode un peu mystique. L'esquive du crabe. Ouais, un peu. On pourrait avoir un dessin. Non. Ouais, laisse-moi, hop. Du coup, les loups, enfin le premier loup, il va du coup attaquer Lysandre qui essaie de le flécher. Oui. Il y a quand même, j'ai quand même la compétence attire les monstres. Et il va essayer de te mordouiller. Non. Et il va y arriver. Donc pareil, tu peux esquiver ou essayer de parer avec ton arc. Ouais, il met un coup de machin. Voilà, un truc comme ça, on va dire incroyable. J'avais exactement cette pose là. Parfait. Vous pouvez me le supprimer s'il vous plaît, j'y arrive pas. Ouais, je fais ça. Merci. Même si bon, en vrai, on pourrait le garder encore. Du coup, est-ce que tu esquives, tu pars avec ton arc ou avec ta dague? Parce qu'il me semble que t'as une dague aussi de sortie. Ouais, mais j'ai déjà l'arc qui est... Ah non, elle est pas équipée. Oui, mais de toute façon, j'ai l'arc qui est dans les mers, donc c'est pas... Si j'esquive, je peux pas attaquer après. Tu pourras pas attaquer au prochain tour. Ouais. Et si je pars, y a pas moyen, genre que j'ai un réflexe ou en mode. Enfin, si j'y arrive. Tu peux le tirer dans la gueule. Non, non. Vas-y, fais-moi une parade critique et on en reparle. Ah, d'accord. C'est où parade? C'est là. Sur l'arme, sur l'arc, t'as normalement. Non. Ah, mais tu peux pas parer avec l'arc, évidemment. Mais j'ai un truc parade, non? Donc tu peux. Bah vas-y, mais. Fais-le avec des avantages, du coup. Je peux pas parce parler. Que pour moi, c'est pas tant. Enfin, c'est plus, tu sais, en mode si j'y arrive, le pousser pour essayer de le repousser après. Genre, il y a les arbres juste à côté. Ok. Ok, ok. Et bien du coup, tu arrives avec, ouais, avec ton coude ou autre à l'empêcher de te mordre et être sur le côté. Hop. Le loup suivant, c'est celui-ci qui va faire la même chose. Là, je peux pas faire encore. Si. Attends. Tu peux réessayer de parer parce qu'en soi, ça se passe pas exactement en même temps. Allez, on enchaîne. Lui, il essaie de le jeter sur le... sur le premier. Ça va être compliqué, mais... Vas-y. Oh, wow. On va. Du coup, il va... Attends. Ouais. Il va te mordre le bras que t'as utilisé pour parer l'autre. Non, ça pue. Et du coup, tu vas prendre un coup de mâchoire... Attends, j'ai pas un... J'ai pas de l'armure. Non. T'as deux de protection. Ah si. Tu as dû le deux. Attends, je prends quatre. Oui, fais le sème. Oui. Ben, m'étant pris un coup de sabot, je vais voir le cheval et je lui casse les genoux. Ah ok, ça me va. Oh, il cherche aussi. Hein. Oh. Oh, elle est belle. Incroyable. Je lui détruis les genoux. Alors, attaque critique à l'arme contendante. Ah,
Eh bien, tu vas lui niquer une jambe, effectivement. Ça rigole. Du coup, tu feras plus 4 aux dégâts. Ok. Et tu veux péter quelle jambe? Parce que du coup, il en a 4 et écrit bras cassé. Mais... Ben, la jambe, la patte arrière de là où j'ai tapé. Ok. Je suppose que c'est la patte arrière. Perdu, c'est la patte avant. Ben, la patte arrière. Voilà. Je nique. Donc, je suis censé les dégâts, ouais. Et donc, plus plus tu fais 4, plus, hein. plus 4, donc ça fait 13. C'est 13. Plus la blessure grave, donc il va avoir une patte pétée derrière. Il va pouvoir se battre derrière. On va dire comme ça. Hop. Donc, il est bien blessé, le cheval. S'il y a un veto dans le dans la zone, ben on va casser les autres jambes de ce cheval. C'est un veto, c'est pas dit. J'appelle les vétos et je leur dis, hey, c'est comme ça qu'on répare les chevaux. C'est pas normal qu'il y ait du feu. Et le dernier loup va aussi attaquer l'Isfendril au milieu. Yes. Parce que. Pourquoi pas. Hop. Et il va aussi réussir. Donc tu peux réessayer une énième parade. C'est parier un loup avec l'autre loup. Non. Dommage. Du coup, il va aussi te mordre. Et il va te faire du coup 8 de dégâts. 8 Moins 2 du coup, toujours. Ah non, 8 c'est avec les moins 2. Ah oui. Oui, pardon, j'ai pas vu le truc. Putain. J'ai décidé d'attaquer les chiens. Ouais, mais là, les maths à 21h. T'as combien? C'est 20h. J'ai perdu que 2. C'est 20h01. Tu peux demander à n'importe qui dans ton chat. Pardon? T'as dit quoi? C'est 20h01. Tu peux demander genre à Jean-Michel Guy de confirmer l'heure et tu verras ce qu'il te dira. Vous allez voir que l'Isfendril est quand même bien en sang derrière avec des loups sur elle. Elle ne se tape avec des chiens. C'est elle qui nous a averti qu'il y avait des loups en plus. Pourquoi elle les a attaqués? Alors, je n'aurais pas attaqué, ils m'auraient quand même attaqué. Bah, c'était pas dit. Ils étaient en train de te regarder. Hein. Ils ont commencé à venir. C'est toi qui leur as décoché une flèche dessus. Hein. J'ai attiré les monstres. Ouais, mais t'as tiré une flèche quand même. Pas grave. Du coup, Klaus. Ah, pardon. J'attends le scénario à la Seigneur des Anneaux, là. Oh, là, ça va être chaud, hein. Quoi? Mais non, on est chez les j'ai espoir. Putain. Il est face à moi, hein, toujours, le mec, hein. Ouais, bah il est troublé par ce qui s'est passé ici. Ah oui, du coup, en vrai, l'esquive, t'es pas censé pouvoir attaquer. On va dire que tu peux plus attaquer lui. Enfin, je sais pas. Parce que c'est chaud de pas pouvoir attaquer après une esquive. Ça me trigger. Non, vas-y, fais ce que tu veux. C'est toi qui me dis, hein. Non, vas-y, j'aime pas la règle de tu peux pas attaquer après une esquive, c'est bizarre. Ok. Alors. C'est juste que t'as droit qu'à une. Écoute. Je vais lui sauter dessus et je vais essayer de lui mettre une grosse patate dans le bras qui tient sa lance. Ok, tu essaies de le désarmer. Non, je pas forcément. Après, si ça marche, tant mieux. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment mettre une grosse patate dans son bras de squelette. Tiens la lance. En mode, bah, tu vas. Je vais péter ton bras, en fait. Ok. Avec quoi on fait ça? Un jet de force pour essayer d'arracher son bras. J'ai bourre-pif. Ah ouais, bah, le bourre-pif, ça fait quoi? C'est que t'as pas de malus sur les dégâts. J'ai pas de malus sur le score d'attaque. Ouais, donc tu fais juste un jet d'attaque. Hop.
ça me paraît pas compromettant du tout. Non. Du coup... Un D6 de base, je crois. Fais-moi jet de force pour savoir à quel point tu... Okay. On va adapter le bonus en fonction. Ce sera un D6 plus la différence de réussite. Bon bah un D6 du coup, juste. Dommage. Ah non, c'est pas ça que je vais faire. Ok, je vais juste faire le D6 là, manuellement. Ok. Bon, du coup, c'est pas très très concluant. Tu te demandes même si ça lui a fait quoi que ce soit. T'as vraiment, tu t'es heurté sur une armure en plate et du coup, pas une armure en métal. Ok. Mais t'es sur lui. Listen Drill. Est-ce que je peux essayer d'aller genre me cacher par ici là? Il n'y a pas d'attaque d'opportunité, donc en soi, tu peux quitter un combat comme ça. J'ai droit à un déplacement de combien déjà avant de tirer? Pourquoi que ça me fasse deux actions? Tu peux aller là largement. Après, là, j'ai pas fait l'échelle, mais oui, tu peux. Là, c'est un peu beaucoup. Genre derrière Felsen, tu peux quoi. Ok. Merde. Ouais, c'est ça. Enfin, je dis, j'ai pas fait l'échelle, mais tu... si le loup fait un mètre. Ouais. Tu vises qui ouais du coup? Bah... Le cheval il est mal en point ou pas? Le cheval il a une patte arrière pétée. Le cheval il est... J'ai pas fini de le réparer encore. Pourquoi le réparer? Tu feras... Ah j'ai le bricolo du dimanche, ça va. Ok, bon, ça me va. Du coup, Je vais mettre un pot d'échappement dessus. J'essaye d'aider les autres il y a déjà combustible. À buter le cheval pour qu'il puisse s'occuper sur autre chose. Mais laisse le cheval tranquille. Oui, sur le cheval, du coup. Moi, tant que j'ai pas pété les quatre genoux, de toute façon, je bouge pas. Ouais, super. Je crois Lysfendril, c'est l'elfe qui est le plus la nature au monde. Ouais, ça doit être ça. Mais oubliez que passe quoi. Le cheval de feu, pas sûr que ce soit trop l'incarnation de la nature. Ouais, c'est ça. Le cheval, il est en flamme tout noir. Avec un squelette sur le corps. Je vise les genoux. C'était fou. Hein. Tu tires sur le cheval, du coup. Bah, de toute façon, je pense pas que là, vu le truc que j'ai, je peux pas viser le cavalier. Ça va être compliqué, ouais. Et pareil, maintenant que j'ai fait le scène dans la ligne de mire, je peux pas viser sur les loups. Ok. Et ben, je te laisse tirer sur faire ton jet d'attaque. Après, tu peux tirer au-dessus de moi, tu sais. Ouais, c'est pas compliqué. Je suis pas censé gêner ta ligne de mire. C'est vrai. Je vais dire bon. Oh, tu parles, de toute façon, t'as raté. Du coup, gêné par ton bras en sang, je suppose. Tu n'arrives pas à encocher ta flèche comme il faut. Oui. La monture est en train de gueuler sa mère et ne va pas forcément faire quelque chose ce tour-ci. Bizarre. Ah, oui. Vraiment pas d'effort. Elle est à quelle hauteur la tête de la monture? Là, vu qu'il a une jambe pétée, ça peut être à ta hauteur maintenant, tu vois. Il est okay. Il est sur les rotules, le cheval. Je vois ce que tu veux faire. Et après, non, ça me fait une réflexion, quoi. J'hésite entre deux actions. Le cavalier, pareil, va être troublé par le fait d'avoir un close sur les côtes, plus le fait qu'il n'ait pas compris ce qui s'est passé au tour précédent. Et du coup, il va rien faire. Alors, les loups. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces loups? Il y a un sanglier appétissant, là. Non. C'est ce que je me dis, hein, c'est la... Ils vont avancer, les loups. Hein. Le premier va attaquer... Ils vont pas attaquer tout seul. Le premier va attaquer Pferd, du coup. T'auras droit à un jet d'esquive. Ce qu'il ne fera pas. Je peux faire un jet de riposte plutôt. Ouais, vas-y. Ça va être ça l'échec critique.
C'est un dé combien? Une attaque normale? Ouais, mais fais-la avec avantage. C'est un dé plus 3, contendant. C'est un dé quoi? D'abord, faut que tu fasses l'attaque. Le 10. Pardon. 10. Tu veux le refaire pour voir si... Je le refais si, ouais, si y a un critique. 10. Non, je suis... Il y a écrit 1D plus 3 contendant. Ouais, quand c'est 1D 6 du coup. Ok. Mais du coup, dans... Parfait. Dans les onglets de ton ta fiche de sanglier, t'as un onglet combat. Et là, t'as le truc. T'as les deux directement. Ah oui, j'avais pas vu que c'était des onglets. D'accord, bien vu. Du coup, ton sanglier va éviter le loup, là. Il va dire, c'est moi ici l'animal dominant. La racaille, ça dégage. Il va lui mettre un bon coup de boule et le loup va être légèrement sonné, quand même. Face. En voyant ça, les deux autres loups vont pas forcément avancer, du coup. Ah. Et c'est à toi, Felsen. Est-ce que je peux monter sur le canasson et lui mettre, et genre en me mettant debout dessus, faire comme du golf et fracasser son crâne? Ou non? Plutôt comme si je hachais une bûche devant moi et fracasser son crâne. Parce que monter dessus, ça va être compliqué, vu qu'il bouge de partout. Ah, ok, bon, mais, si je bouge partout, alors vous savez. Non, mais s'il bouge de partout, je vais lui fracasser une autre jambe, pas grave. Et on a osé dire que j'avais été. Vas-y, refais, parce que. La partie d'avant. Non, mais là, c'est un cheval. Ben non. Du coup, je tape à côté. Bah, toute fois, c'était des vampires, ouais. C'était pas mieux. Ou tu tapes pas assez fort. Non, je tape à côté, là. Alors, Klaus. Il bouge partout, tu m'as dit. Ouais. Klaus qui est aux prises avec son. Son ami squelette. Je vais lâcher mon couteau, le laisser au sol. Je vais attraper sa lance et je vais le tirer vers moi pour lui mettre un gros coup de boule. Au niveau du thorax. Okay, ouais. Refais comme tout à l'heure, refais un jet d'attaque et puis ensuite on fera le jet force pour voir si t'as un bonus aux dégâts. Ok. Ok, bah attends, on va faire différemment du coup. J'adore, chaque fois que je fais des coups de boule, il se passe des choses exceptionnelles. Attaque critique à main nue. On va voir ce qui se passe, on va adapter en fonction de ce qui est écrit. À tête nue. Ouais. Oh putain. fais quand même ton jet de force pour voir si t'as un bonus aux dégâts. Mais t'auras quand même plus 2 quoi qu'il arrive. Alors. Ah. Non, mais du coup, c'est pas un échec critique. Clôturise. Et du coup, fais-moi un D6 plus 2 du coup. Oh. Quelle déception. Attends, parce que tu me gênes. Ah, quoique. J'ai ciblé étourdi 3 tours là ? 3 assauts ? Ouais, tu la stun en gros. Tu lui feras pas forcément de dégâts, mais tu la stun. Je suis un démon. On n'en doute pas. Hop. Donc, Lissandril. Oui. Le loup, donc il a tu vois que le loup s'est approché et attaque Ferd, et t'as les deux autres loups dans le front. Et t'as un cheval à l'agonie devant. Ouais, mais je vais essayer de défendre Ferd du coup. Elle aime vraiment pas les animaux. Si tu veux, je tire dans le cul de Ferd, hein. Y'a pas de soucis. De toute façon, je rate tout là, cette session. Ouh, en même temps, je suis à l'agonie là. Qu'est-ce que tu veux que je... La monture va essayer de te remettre des coups de patte quand même. Je vais lui mettre un désavantage parce qu'elle va galérer à tenir debout.
Mais elle va te viser cette fois, Felsen. Il n'y a pas de, de sanglier. Hop. Et elle va quand même réussir à te toucher. Est-ce que je peux essayer de parer ou pas du tout? Ouais, tu peux parer totalement. Avec avantage même, parce qu'en vrai, elle galère. Ok. Du coup, avec, avec ton marteau ou avec... avec le marteau, là, j'ai fait. Ouais, mais j'ai fait avec le marteau, là. Ouais. Et du coup, avec ton marteau, t'arrives à bloquer ses sabots, et du coup, il n'y a pas de problème. Cavalier, il est stun. Le loup va essayer de réattaquer... Ferd. Que du coup, je vais pouvoir ajouter dans le... Je l'ai ajouté dans les combattants. Sanglier noir a ce rôle pour initiative. Du coup, il va toucher. Non. Est-ce que tu veux esquiver ton sanglier? Est-ce qu'il a des jets d'esquive? Non, il n'a pas de... Non, il a zéro. Enfin, il a parade zéro. Esquive zéro. Ouais, mais... Ouais, je vais faire les dégâts. Il va se prendre un... Ouais, mais il attaquera que mieux après. Attends, parce que t'enlèves 2 du coup. Donc t'es à 10. Putain de merde, mais c'est quoi ces dégâts là? Des plus 6, ah, ils sont bons, mais lourds. Vous avez qu'à pas appeler ça des chiens. C'est un compliment. Les autres loups, ils vont se rapprocher, ils vont pas forcément attaquer pour le moment. Ah ouais, plus 7. Non, en vrai, c'est un loup, c'est un mâle alpha, là, ce qui est sûr. Les autres, ils ont moins. Ah ouais, on va voir c'est qui le mâle alpha après. On va voir c'est qui mal alpha autour d'un. C'est à moi ? Ouais. Ben, on va continuer de fracasser le cheval. Pas d'essayer, du coup. Allez hop, la deuxième jambe. Vas-y, fais les dégâts. On rajoutera un petit plus. Ouais, non, la deuxième jambe. Et sur celle, du coup, l'avant gauche. Ok. Mais du coup, tu vas voir que... Tout son côté gauche soit affaibli et qu'il tombe. Qu'il est vraiment, vraiment, vraiment mal en point, là, le cheval. Ses flammes commencent à s'éteindre, même. Mais il fait toujours du bruit. Ah, il est bientôt réparé. C'est ça, il est bientôt réparé. Ferd. Ferd, il va mettre un coup de... Un coup de défense. Il va faire... Je plaque. Ça touche. Vas-y, dégage. C'est bon. Ouais, ça touche. Je plaque. Il touche bien, même. Ouais, mais Ferd, c'est une bête. C'est une bête de guerre. C'est vrai. Du coup, le loup va se prendre le coup de défense. C'est un peu un combat entre Franky et... Et l'autre qui nage dans le sol, là, ils se mettent des coups chacun à leur tour, sans esquiver. Alors, c'est qui le bonhomme? Klaus. Voilà, va pas pouvoir faire le match très longtemps. Hein. Alors, si tu veux une stat, ils ont le même nombre de PV. Ok. Alors... Non, du coup, Ferdinand a plus. Parce qu'il a eu moins 2. Alors. Je du vais... coup, le loup dominant est quand même bien amoché. Je pense que je devrais pas avoir trop de mal à le faire, mais dans le doute, je vais quand même bien détailler ce que je vais faire. Je vais essayer de lui arracher sa lance des mains. Et s'il faut, pour m'aider, je vais lui mettre... je vais attraper la lance avec mes deux mains, et je vais mettre un coup de pied, tu sais, dans son torse, pour en mode Sparta. Mais en tenant la lance pour tirer en même temps la lance et lui mettre le coup de pied pour qu'il lâche la lance, quoi. Ok. Vu qu'il est étourdi, tu vas me faire un jet de force avec avantage. Ok. Et si t'y arrives, tu récupères l'arme. On t'y arrive. Ok. Et du coup, t'as son arme. Est-ce que c'est considéré comme une attaque ou pas? Ah, c'est en action, ouais. Ok. Ça marche. Tout.
J'avais pas prévu son arme, je viens de voir qu'elle était pas. Désolé, je suis trop imprévisible. Non, non, c'est... j'ai oublié de préparer son, son loot. Trouver une lance. Et je vais te la mettre dans ton inventaire. Hop. Et je vais regarder du coin de l'œil le mal alpha en mode You're the next. Alors, je te dégage deux secondes. Ça va être ça. Hein. Hop. Ok. Du coup, t'as une lance. Est-ce que. Je sais pas si c'est dur à faire. Est-ce que tu peux me le mettre avec les armements et bastons, du coup, objet en main que j'ai? T'as juste à cliquer sur équiper, appliquer. Ah, t'as une petite poche. Oh, c'est trop bien, je savais pas. Ok, merci mec. Par contre, je pense qu'il faut que t'enlèves ta dague. Ouais. De toute façon, la dague elle est par terre normalement. Bon, je la récupérerai plus tard. Mais... Au calme. Ah, je peux pas. Attends. Ah, je voulais faire un truc, mais je peux pas. Mais c'est pas grave. Attends deux secondes. Je vais changer de trois trucs. Ok. Tu veux te déplacer ou pas, du coup, en plus de ça? Non, comme dit, je vais juste me décaler sur le côté comme ça et regarder avec un sourire sadique et avec des yeux de zinzin vers le loup, là, dominant. En mode... Au secours, même moi, j'ai peur. Ah, moi, je me chie dessus à la vue de Klaus. Non. J'essaie mais encore, tant bien que mal. Ah, quoi que non, je vais faire un truc. J'essaie de me prodiguer. Je peux faire les premiers soins en combat ou pas? Ça demande trop de temps pour le faire en combat. Ok. Bah, du coup, j'essaie tant bien que mal. Enfin, je m'écarte encore là, hop, hop. Peut-être me cacher derrière un arbre. Et c'est... Les loups, là, ils attaquent mon canne à sucre? Ils sont partis pour, en tout cas. Oh, mais quand même, connard. Genre là, canne à sucre, il peut pas avoir de réaction de défense. Naturelle si, chez un poney. Il peut fuir. Ah oui. Il peut fuir. Tu sous-estimes l'agressivité des chevaux et des poneys, toi. Bah non, regarde, alors, un qui j'ai vu des poneys et je pense que bon, hein. Face à des loups. Moi j'avais un poney quand tu disais son prénom, elle avait peur et elle se barrait. Hein. alors qu'elle nous connaissait depuis 10 ans. Hein. Bon bref, j'ai pas m'attarder là-dessus. Hein. Ouais, je vise le gros. Ok. Bah du coup tu peux faire les dégâts. Et tu peux décevoir. OMG. Close. C'est... Ah non. Ah bon, ça va. Plus 3 quand même. Ça reste... Donc j'ai fait 1 encore de dégâts. C'est pas grave. Ouais. Du coup, tu vas lui rafler une patte. Tu vas pas faire plus de dégâts que ça. Mais il est quand même dans la sauce. T'as failli toucher. La monture, elle va vraiment pas bouger. Hein. Le cavalier, il reste. C'est la gueule. Enfin, elle continue de bouger, mais elle essaiera de rien faire. Quoi. Mon PLS. Le cavalier, il est toujours dans les vapes. Donc, c'est au tour du loup. Il va essayer de gagner son vis-à-vis. Non. Si. Non. Ah. Et qui fait 9 points de dégâts, du coup. Il a un! Il a un! C'est scripté. Ouch! Ok. C'est à qui? C'est à l'autre loup qui va
Il n'y a que canne à sucre. Qui va rater, probablement parce que le poney aura une réaction et va reculer un peu. Et c'est il danse, c'est danse avec les loups. C'est le poney là qui fait ça là. Felsen, il va passer à la patte arrière ici. Felsen, il laisse son sanglier crever, il en a Tiens. Rien. Et alors après, il nous menace de mort si on n'arrive pas à le soigner. Mais lui, il s'en bat les couilles que son sanglier. Pourquoi t'as lancé un truc alors que t'as raté avec ton marteau? Parce qu'il a sur l'avantage. Tu peux décrire comment ça se termine pour. Comment tu finis de réparer le cavalier? Je prends mon marteau à deux mains et je mets un grand coup dans la patte arrière pour essayer de la remettre droite parce qu'il me semblait qu'elle était un petit peu. Enfin, si on regarde, on peut voir que c'est un peu. Genre, ça part en avant, puis en arrière, puis ça fait un éclair en fait, sa jambe. Du coup, je mets un coup au niveau de la jointure pour essayer de le remettre droit. D'accord. Bah, c'est lui ici. Sa patte est bien droite. Ah, je vous l'avais dit, hein. Il n'a de concepteur que le nom. Hein. Dans la pratique, ça pue. Hein. Moi, je pense que t'es jalouse de son talent. Hein. Et du coup, le cheval s'éteint, littéralement. Oh. Ah, tu vois, je l'ai réparé. Il va mieux maintenant. Il est plus en sang. Du coup, le deuxième loup va essayer de se canne à sucrer également. Et lui, il va bien y arriver. Mais canne à sucre a déjà reculé. Non, mais il va avancer, lui. Est-ce que je ferais pas juste un x2? Parce que j'ai un truc. Alors, on va faire ça. Oh la vache! On va tenter. C'est ciao, canne à sucre! Oh, il est castré! Attends. Il a mangé le saucisson du poney. Du coup, il va faire le tour du poney et bon. Il va lui niaquer les organes génitaux. Aïe, aïe, aïe. Il va prendre très cher. J'ai oublié, c'était un mâle ou si une femelle. Maintenant, c'est encore plus compliqué de le deviner. Putain, vous avez un problème de castrage ici, là. Et du coup, donc une minute, c'est à peu près 4-5 tours, donc ça va pas trop atteindre. Mais après le combat, si vous le soignez pas rapidement, il peut y passer parce qu'il y a des saignements non naturels. Canne et sucre. Ouais, canne et sucre. Alors, le cheval. Le sanglier, pardon. Génial. Ça perde ? C'est perdre. Non. Il va pas réussir son attaque. Bah, il est trop mal en point. Un peu troublé. Mais c'est un Klaus. Il a quand même PV dans ton ferme. Alors. Il y en a plus que zéro. Je vais. Est-ce que. Écoute, je vais me déplacer. Et je vais sauter sur le loup avec la lance. Et je vais essayer de planter le loup avec la lance. Ok, fais avec un avantage ton attaque. Ah mais non, pas dans le dos, ça marchera pas. Parce que j'ai déjà fait. Non, mais franchement, le loup est suffisamment mal au point pour que... Tu peux lui planter sous le... Si tu lui plantes un peu derrière la patte avant, en diagonale, ça part direct dans le cœur, mec. Allez, je te laisse décrire ton action, là. Ok, bah comme je disais, du coup... J'avais mon sourire et mon regard. De fou. Et puis, je me déplace sur le côté. Je cours et là, je fais Popfold! Et je saute avec les deux mains sur la lance. Et j'atterris sur lui et je lui plante la lance dans le dos. Et genre, ça traverse son corps de part en part au niveau de la cage thoracique. Et je. Appuie. Voilà. Alors, c'est juste ça. Ok. Et c'est quoi que tu as gagné? J'ai dit pas perdre. Perdre, oui. Perdre, oui. Lissandril, est-ce que tu essaies de protéger ton. Oui. Non, attends, je prends des notes. Pas perdre.
Comment l'autre, avec un courage de 0, il a réussi à faire 12 et réussite? Non, il a 12. Non, l'écart, c'est... le 0, c'est le écart. Ah, ok. Il a fait... En gros, il a 12. Ok, ouais. Et question, t'as fini le squelette ou pas encore? Non, là, il est juste stun. Non, okay. Il lui reste un tour. Il va être encore un tour complet stun, là. Je vais le revoir, je vais remettre 2-3 baffes, là, je pense. Il y a deux combats différents, c'est très bon. Ah oh bah là, moi, je suis en légende, hein. Je sais pas trop si j'essaie de décocher une flèche ou si carrément dans le la montée d'adrénaline me fait courir sur le loup. Et pour juste me jeter dessus aussi. Tirer sur celui-ci, ça va être compliqué parce que. Ouais. Parce qu'il y a comme ton poney devant. Mais l'autre, il a le flanc disponible. Ouais, mais le plus. Celui que j'aurais tendance à focus, c'est celui-là, quoi. Eh ben, dis-moi. Moi. Il n'y a pas un truc, genre, avec un jet d'adresse ou autre, réussir à choper le loup pour le... Tu veux shooter le loup? Par en dessous, là? Non. En vrai, tu peux essayer de tirer sur le loup, mais je te donnerai deux avantages. Avec ton arc. De toute façon, je vais pas réussir. Hein. Et si tu tires, ce sera par en dessous le canasson. Ouais, t'as réussi la moitié. Il y a là, le dé qui a gêné. Mais t'as réussi, ouais, donc arrête pas. Donc, je suis censé tes dégâts. Et d'écrire comment, enfin où tu le touches, etc. Parce que ça tu seras plus là. Oh yes. Ouais. Du coup, genre je me jette au sol, mais en bandant mon arc et juste avant de toucher le sol, je tire ma flèche entre les pattes de canne à sucre et je vise genre le cou, quoi. Du loup. Le quoi? T'as ricoché sur le sol, c'est pas grave. Le coup du loup. Et les dégâts de chute, okay, me tuent. J'y ai pensé. Allez. Il y a une petite pierre au sol juste là. Puisque allez, bam. Tu proposes. ok. Donc sans moi, la monture il n'y a pas, le cavalier il va commencer à reprendre ses esprits. Et donc l'autre loup va se tourner vers toi, Lysfendril. Mais super. Il va pas t'attaquer ce tour-ci, mais il va venir au corps à corps. Et en plus je suis à terre, ça va être sympa. Felsen. Bah, du coup, vu qu'il y a le cavalier devant moi qui est out, je jette un coup d'œil vers Ferd, je vois que le loup est mort, je hoche la tête en regardant Klaus. Je vais vers le cavalier et je mets un gros coup de marteau de au niveau de ses côtes. D'ailleurs, vraiment deux salles, deux ambiances. Hein. Canne à sucre et moi, on peut aller se faire foutre. Lui aussi, il faut que je répare. Vas-y, lance-moi tes dégâts, là. Au niveau du live, je sais pas... Ah, c'est bon. Il suffit que j'en parle. Du coup, tu vas enfoncer ton marteau dans son armure et tu vas voir l'encoche de ton marteau et du coup, tu penses que ça a abîmé en dessous aussi, au niveau de son dos ou son torse, comme tu veux, suivant que tu tapes. Mais du coup, probablement son dos. Ok. Mais voilà. Tu vas voir la forme de ton marteau bien sculptée sur son armure. Parfait. Du coup, je le répare un peu. Ferd va essayer de le renverser. Ok. Ah oui. Attends, Ferd s'est occupé de loup. Et Ferd va aller taper le... Va foncer dans le loup, il va essayer de le charger. Ok. J'ai pas d'attaque... comment ça s'appelle?
J'ai que mon attaque coup de tête. Donc, attaque coup de tête. Ouais, la charge est écrite, mais. Et c'est bon, ça passe. Je t'aurais mis en avant. Ok, donc il va renverser le loup. On va le faire se décaler un peu avec l'impact. Et t'as fait combien? C'est quand même pas mal. Hop. Donc le loup est amoché. Et il est sur le flanc. Klaus. Alors. Je vais retourner en direction. Il est parti. Non, il est toujours debout. Il se relève, ouais. Et il a pris un coup de marteau dans le dos en se relevant. Quoi. Ok. Putain, je suis en. Moi, je suis à court d'idées de badassitude là. Écoute, je vais courir vers lui. Et je vais sauter pour lui foutre un double coup de pied dans la gueule. Enfin, dans la gueule. Vers alors, lui quoi. Seul. Hein? Non. Bah du coup, refais-moi ton jet de bourre-pif là. J'ai pas de jet de bourre-pif moi. Non mais ton si jet j'en d'attaque. Ai un. Ah oui, ok. Bourre-pif fait que t'as pas le malus sur le jet d'attaque. Banger. Refais comme tout à l'heure le jet de force, voir si t'as un bonus. Oh ouais, j'y crois plus à ce niveau. Hein. Regarde. What the fuck? Du coup, tu peux faire un D6 plus 6. What the fuck? On n'y croit plus à ce niveau. Bon, oh, c'est pas grave, c'est déjà ça. Attends, t'es chiant de mettre sur le visage. Tu as sa fiche. je vais me la mettre à côté là. du coup, ok, tu vas bien le gêner. Il commence à avoir des os un peu cassés un peu partout, mais il est toujours debout. Il est resté debout malgré que je me sois jeté sur lui comme ça, là? Ouais, il a réussi à rester debout, à se tenir debout. What the fuck, hein? Il a des jambes... Eh, c'est un squelette, hein. Ouais, enfin bon, on va voir ce qu'il peut faire sans sa lance qui fait plus 7 de dégâts, hein. C'est vrai que comment il va taper? Bah, je sais pas, mais il va pas faire grand-chose, hein. Ma fiche est pas prévue. Du coup, bah moi c'est bon. Ah, du coup, c'est prêt. You okay? Hein? On n'a pas entendu ce que t'as dit. Ah, j'ai dit du coup l'Isfendril. Ah oui, pardon. Eh ben, je m'attaque au loup qui a derrière, qui est renversé. Du coup, essaye de le finir à la dague ou tu veux... Bah, j'ai pas équipé la dague. Ah oui. Donc, ouais, genre une flèche à bout portant, quoi. Enfin, Ouais, vas-y. Pas avec avantage. Pas une pointe de flèche. Ouais, au pire. Ta flèche directement. Donc avec avantage, non, c'est pas là, c'est là, clic. Je sais déjà quel je vais prendre. Est-ce que je relance ou pas? Non. Bah, ça va être compliqué. Alors, attends, juste pour voir s'il se passe quelque chose de rigolo, mais bon... Ouais, ok. Bah, tu lui tiens dans les poumons, du coup. Hein. Oh, le pauvre. C'est un peu tard pour faire genre ça te fait mal au cœur. Hein. Hop, et je suis content parce que je n'arrive pas. Non mais on voit que tu sais pas réparer les animaux, parce que si tu leur crèves les poumons après ils peuvent plus respirer. Et du coup ils peuvent plus fonctionner après. Je crois que ton chat il fonctionne là. Bah ouais. Avant il était allumé, maintenant il est éteint. C'est comme ça que tous les chevaux devraient être. Ouais. T'as déjà vu un cheval allumé, toi? Mm-hmm. Oui. Ah, voilà. Du coup, le cavalier va essayer de te mettre un coup de poing
Klaus, t'es sur lui. Hop. Chef. Avec son attaque pas de lance. Et du coup, il va te faire. T'as pas de protection, donc il va te faire 5 points de dégâts. J'ai pas de protection, dans le... The fuck, hein. The fuck, je suis à moitié à poil, j'ai pas de protection. Il va te taper dans les abdos. Du coup, vu que t'es quand même close, ça va. Je vais lui avoir un petit rire parce que ça me chatouille. Telsen. Bah écoute, il est debout. Il a les genoux courbés. Bon, je vais remettre ça tout droit. Non. Non, du coup, ouais, ouais, il va te voir et il va faire un petit pas de côté et puis du coup tu vas juste rater son genou. Il a vu ce qui s'est passé sur son cheval. Est-ce que Ferd veut continuer à se battre? Non, Ferd il veut aller à côté du canasson et il va se reposer. Ok, je vais retirer des combattants. Hop. Il va lui... Oh, Il va lui... Les chicouilles. Non. Il va manger un bout. Non, il va lui faire un soutien moral. Ok, ça marche. Ça ne dira pas. Klaus, avec ton petit rire. Il est plus grand que moi ou il est aussi grand que moi en termes de taille? Non, il est un peu plus grand que toi. Un peu plus grand que moi? Ouais. Ok. Il fait deux Felsen. Je peux faire. Écoute, je vais pas me prendre la tête. Ah mais attends, il est. Il est où? Ah il est parti. Non, il est là. Ah oui, c'est décalé pour éviter le coup de marteau. Ok. Vous le voyez mieux sur l'image là maintenant. Vu qu'il y a plus de cul. Bah alors non, voilà. Parce qu'il a pas de lance, mec. Oui, bon, écoute, ça c'était pas prévu par vous. Je peux pas non plus refaire mes tokens. Hein, tu... Du coup, je vais courir. Le MJ qui est pas prêt là. Et je vais sauter pour lui mettre une grosse patate dans ce qui lui reste de crâne. Ok. Là, je coup, fais mon jet d'attaque. Oh, ça s'est passé. Du coup, il va prendre son coup de poing et ça va être à son tour de rigoler. Du coup, il aura juste légèrement dévié sa joue, mais ça lui fera rien. Lissandril. Eh, je ne pensais que tu faire des premiers soins, etc. avec le combat là, tu vois. Ok. Hein? Tu m'as pas posé d'esquive avant quand tu m'as fait mon dégât, je ne pensais. Et t'es sur lui, mec? Ah oui. Bah, je vais faire les premiers soins. Mec, on est en soins, combat d'homme à homme là? Coup de poing contre coup de poing. Je me suis battu contre des ours et des gorilles dans la forêt, je sais me battre. Ok. Sur une bonne réussite, tu peux enlever la blessure, sinon tu vas juste la réduire. Enfin, le dot. Ou déjà plus. Enfin, tu fasses deux fois. Oh putain. Comment il est castré à vie, hein. Il me semble surtout que tu vas lancer un D6 pour voir combien de dégâts t'as grave. Enfin, yes. Tant que t'es castré à vie, c'est ok. Perde va bien, t'es pas obligé de t'en approcher, t'inquiète. Du coup, en trifouillant la blessure, tu vas aggraver tout le schmilblick. Tu vas pas augmenter le saignement ou autre, mais... Comme. En même temps, je suis pas veto, hein. Non, je te montre comment on fait. Mec, c'était qui a soigné des couilles la dernière fois? Il va le soigner en 2-3-3 coups de marteau là. Du coup, cette fois, il va essayer de refaire la même chose avec toi, Klaus, mais il va te rater. Donc. Ouais, du coup, il essaie de me mettre un coup de poing, sauf que. Il tient mon poing d'un point, il essaie de me mettre l'autre point, sauf que là, je lui tiens le poing! Et là, on se retrouve, on se regarde en mode. C'est qui le plus con maintenant? T'as pas le poing! Il a encaissé le coup sans rien faire tout à l'heure. Ah ouais? Ah, c'est moins drôle. Tu lui as tapé dans le casque en gros. Felsen.
On veut lui casser les rotules. Splat. Voilà. En train de se faire bully. Ok. Du coup, il va quand même poser un genou au sol là, vu que tu vas lui taper dans le creux du genou. Il commence à quand même à être vraiment, vraiment pas bien. Mais il va pouvoir toujours jouer. Donc, Klaus, vu qu'il a un genou au sol, si tu veux lui mettre des coups de poing dans le visage et autres, tu peux avoir un avantage cette fois. Si je lui mets un gros coup de boule, j'ai droit aussi à un avantage ? Ouais, en gros, là, t'as un avantage sur l'attaque. Et tu l'auras aussi. Ok. Mérie, en soi, vu que vous êtes en vrai chacun d'un côté. Je vais. Il reste beaucoup de son crâne ou quoi ? Il y a une partie de sa mâchoire qui se décolle. Ok. Écoute, je vais attraper au niveau des épaules et je vais venir pour lui mettre un gros coup de crâne, un gros coup de tête dans son crâne. Ok. Ah, vas-y. Du coup, fais ton jeu de force. Du coup, ton D6 plus 3. Bah, le petit bout de mâchoire qui pendait, tu l'arraches en gros. Mais il a toujours. Enfin, il va toujours pouvoir bouger. Oh, ils vont commencer à du coup, je passe ton tour, vu que t'es sur tes premiers soins. Et bah, il va de nouveau essayer de t'attaquer. Cette fois, ce serait esquivable. Et de toute façon, il va te rater. Il est vraiment au bout de sa life. De sa deuxième life. Du coup. Felsen, pardon. Il a un genou au sol, c'est ça? Donc, il a une jambe qui. Il y a une jambe qui est pendue. Il a un genou au sol et il a pendu. Du coup, quand t'as un genou au sol. Ouais, non, elle est un peu arquée, t'as raison. Ouais. Wow, en mode comme s'il était en train de me faire une demande de mariage là. Et que je réponds. Ouais, par des coups. Et ben, la jambe qui est. Le genou qui est en l'air. Et ben, il faut qu'il soit en. Il faudrait que la jambe soit droite. Du coup. C'est paf. Un truc symétrique. J'essaie de faire en sorte que ce soit un genre comment dire genre hop tac tac si sa jambe elle est comme ça moi je tape comme ça et je veux qu'elle soit comme ça. Ok, vas-y fais tes dégâts, je vais te dire comment elle va être la jambe. je peux pas retirer mon dessin. Ah, t'as une pelle, non ? C'est bon. Vas-y, dis-moi comment elle est la jambe. Voilà mes dégâts. La jambe, elle va être comme ça. Voilà. Alors, non, c'est plus que ça, c'est que la jambe, elle va se détacher au niveau de la hanche et elle va atterrir vers là-bas. Et le reste du corps va juste tomber sur le flanc. Et ne bouge plus. Tu as réparé le squelette. Il est barré, le squelette. Moi, je tends mon pot en avant. Je mets mon marteau sur l'épaule et je tends le pot en avant en regardant Klaus. Et je dis bon combat. Merci. Il est mort ? Ouais, il est mort. Et j'attends qu'il me tape dans le poing aussi. Ok. Alors je garde le poing tendu. Je vais avant de ça. Ah, pourquoi je peux pas? Ah voilà. Avant ça, je vais faire. Merde. Oui, Klaus. Klaus plus fort. Et puis je vais voir ton poing. Et je vais pas comprendre. Et je vais mettre un coup de poing dans ton poing pour te répondre. Est-ce que je fais un G pour savoir si je lui fais mal ou pas? Bon, je pense pas quand même. La violence. T'as pas pour faire mal. Je tape fort, hein. Je tape fort, hein. Je suis très enthousiaste. Bah là, c'est un concours de force, là. Je fais un jet de force, moi aussi, pour voir si je... De courage, pour voir si j'ai peur de sang.
Vas-y, fais un jeu de force, genre si tu prends. Non, force. Force. Ah non, chouchou. J'ai cru. Fais un D4 de dégâts, du coup. Tu vas pas non plus y mettre de quoi autant que sur un autre dé. Il va lui péter le bras. Bah, moi je serais satisfait si il se prend juste. Je tombe en arrière. Ouais, voilà. Il est projeté en arrière. Note à moi-même ne plus célébrer avec. Du coup, tu prends qu'un point de dégâts avec ta protection. Ah bon, ça va. J'avais peur. Du coup, vous avez tout le temps que vous voulez là pour. Avant de vous remettre en route. Ça va, Drill ? Il n'y a plus aucune menace. Alors. Bof. Il fallait que je fasse un truc. On n'a pas de. On n'a pas de. Comment on appelle ça ? De restrictions sur nos armes. Sur ce qu'on peut utiliser ou pas, si ? Si, si, c'est dans tes métiers, etc. Putain. Alors. Du coup, toi, ça dépend de ton origine. Je pense que t'as pas de restriction. Faut juste pas que tu utilises d'armure en métal. Ou métal renforcé et pas de casque intégral. C'est tout ? What the fuck ? C'est beaucoup trop cheaté. Et tu peux pas faire les armes que prévoit de faire comme ça. Mais c'est pas grave. Ok. Mais tu peux garder ta lance. Ouais, bah en vrai, je pense que la première chose que je vais faire, c'est récupérer ma dague sur le sol. Et je vais récupérer. Je vais arracher la lance du corps du loup. Et je vais lécher le sang qui est dessus. Oh. Ok. Pour la nettoyer. Il va falloir qu'on apprenne à Klaus de ne pas nettoyer les chambres. Bon, il est coupé. Moi, je suis en panique totale, du coup, puisque je suis à deux doigts de crever. On est d'accord, je suis blessé au niveau des bras, en plus. Ouais, tu t'es fait border. Du coup, t'es pas en danger de mort. Ouais, enfin, je suis. Ça s'aggravera pas. Oui, mais comment tu justifies le fait que je suis à 2 PV et que je vais pas mourir, du coup, alors que j'ai fait que des blessures C'est quoi, c'est dans ce cas-là, genre, je serais pas mort, je serais inconsciente ou. Oui, après tu serais tombée, tu serais évanouie. Ok. Donc j'aurais pas été morte. Ok. Bref, coup, je suis quand même en mode panique parce que je douille au niveau des bras, j'arrive pas, je sens que j'arrive pas à. Genre, je tremble vachement, j'arrive pas à. À soigner canne à sucre et je sens que ça empire et du coup je suis en mode un peu panique et état de choc. Je vais me diriger vers Lys. Parce que je vois que ça va pas bien. Et puis je lui mets la main sur l'épaule, une main rassurante et suave. Et je vais dire ça va être bien. Et je vais chercher des herbes dans la forêt. Et je vais revenir avec des trucs curatifs et je vais faire premier soin sur Isfendril du coup. Ok. Donc qui fait ça, est-ce que vous faites autre chose? Moi je vais caresser Ferd et lui dire ça va aller. Parce qu'il est okay. Pas bien là, il est pas au meilleur de sa forme. Non, effectivement, il a connu des jours meilleurs. Et toi, Lysfendril? Je suis en mode état de choc, je peux rien. Ok. Donc, il continue à saigner des couilles.
Et là, il s'est pris 6 de dégâts, du coup. Ouais. Tu me dis quand je peux faire mon... Du coup, Klaus, tu reviens. Moi, j'ai mis qu'une minute. Non. Oui, ça fait beaucoup de dégâts, une minute. Mmh. Ouais, c'est pour ça que je vais pas faire une plus toutes les minutes. Je pense que tu peux. Hein. De quoi? Bah Klaus, il attend ton feu vert en fait. Eh ouais, Klaus, tu peux faire ton jet. Ah! Nickel. Oh oui. Nice. Et alors attends, c'est quoi que je vais faire exactement? C'est un D6. Ok. Ah, désolé, j'arrive pas à faire plus de 2 hein, sur un D6. Non. Du coup, tu vois, sur toutes ces blessures, je mets une sorte de petite menthe sur une de ces blessures. Et je vais lui faire un pouce comme ça en mode ça va, c'est bien, ça va mieux maintenant. Et puis je vais repartir en me disant que j'ai réglé la situation. Et je vais me mettre à dépecer le mal alpha. Parce que... eh ben... contrairement à ce que vous pouvez penser, je suis... Klaus est extrêmement coquet. Et j'aime bien avoir des tenues de rechange. Du coup, bah, je vais préparer une tenue, quoi. Bref. Ouais. Il est extrêmement coquet. Hein. Lissandre, tu peux retenter un jet pour arrêter le saignement sur... sur canne à sucre. C'est pas sur canne à sucre qu'il faisait Non, c'est sur, non, c'est sur le Lissandril. D'accord. Que je l'ai vu à côté de canne à sucre. J'étais là, oh, à côté de Lissandril et canne à sucre. Déjà, tu vas arrêter le saignement. Et tu peux faire aussi un D6. Essaye de faire 6, c'est mieux. On demande pas trop non plus. Hein. Merde, j'ai eu 4, 14. Ah, tu lui, c'est toi qui lui remets. Ok. Voilà. Donc, il n'y a plus personne qui va mourir. Vous êtes quand même beaucoup à avoir besoin de repos. Si vous voulez, vous pouvez vous arrêter pour manger, récupérer un peu là où vous êtes. Ou ailleurs, dans la forêt. Je propose qu'on découpe le loup. Bah moi, je suis bien. C'est bon, c'est safe ou est-ce qu'il faut faire un jet de perception ou autre pour savoir s'il n'y a pas d'autres dangers? Vas-y, fais ton jet de perception. C'est quoi? C'est intelligence? Intelligence, du coup. Ouais, il n'y a pas perception. Alors, tu mets tout tes sens d'alphe aux aguets et t'entends une voix. Moi, je peux bouger le dé. Bon. Ouais, j'entends quoi? Tu n'entends rien. Ah, ok. Enfin, pour toi, la forêt est safe en ce moment. Ok. Probablement parce qu'un cavalier maudit a débarqué et que les autres animaux sont barrés. Genre les deux autres loups qui sont là au début du fight, ils sont pas revenus. Mmh. Non, parce qu'il me semblait que t'avais dit qu'il y avait des loups cachés aussi. Dans les fourrés. Si j'ai dit, j'ai pas fait exprès. Non, c'était la dernière session, j'avais cru que... Ah oui, c'est ce... Bah du coup, ils étaient devant. Okay. Ouais, ils ont pas attendu que le fait soit fini. Du coup, il me semble qu'on va être à peu près en début d'après-midi là en ce moment. Donc, si vous voulez faire une pause, un petit campement, manger les loups, y a pas de problème. On peut essayer de faire cuire les loups, effectivement. Non, ouais, je ne mangerai pas les loups. Il commence à être... Vous voyez qu'il est bien découpé, bien propre, non, et tout. La peau en bel état. Et vous voyez qu'il y a des belles morceaux, des beaux morceaux de viande à faire cuire, quoi. Où tu les stockes où, par terre? De quoi tu parles, mec? Pendant que tu les découpes, les morceaux de viande, tu les mets où, après? Bah, le... Je crois que t'as fini de découper un morceau. Bah sur l'herbe. Ok. Non, je suis pas sûr. Je sais pas ce que tu veux que j'en fasse.
ce mec. Je sais pas. Du coup, bah, quand le premier loup est fait, je vais aller voir le deuxième loup. Et je vais m'en occuper aussi. Moi, je vais récupérer des morceaux de l'armure, etc. du cavalier. Je vais voir ce que je peux en sauver. Et si je l'ai trop abîmé en tapant dessus, je la recrafterai. Enfin, je la ferai. Ouais, ça sera quelque chose à refondre, à recrafter. Mais en soi, ouais, tu peux en récupérer des petits bouts de métal. Pas de soucis. Si vous arrêtez pour manger, c'est... Ah merde, du coup, j'ai plus les aides. Il me semble que c'est 2 PV pour tous ceux qui mangent. Ouais. Père, tu vas manger. Moi, je m'enlève une ration parce que je ne mangerai pas les... Mais c'est toi qui as chassé. Ah, je m'en... Parce que... Non, il y a personne qui... Moi, j'ai une ration complète de repas. Hop. Et du coup, c'est 2 PV. Pardon. Enfin, je... Ouais, moi, c'est 2 PV le repas. Une ration que... Ouais, j'utilise une ration. Ouais. Ah, je suis retourné à midlife, presque. Tu récupères en 4 PV. Tu peux en mettre 2 à canne à sucre aussi, du coup. Ok. Il ira bouffer de l'herbe. Hein. Et du coup, ouais, bah, voir les herbes médicinales de qu'a trouvé aussi. On va faire un petit feu avec Fils, et puis on va se faire un petit barbecue là. Entre couilles. Non, Fils. Fils, c'est fils. Moi. Oui, c'est toi, Fils. Ah oui. Oui. Fais scène, fils de machin. Ah oui, c'est vrai. T'es Fils. Que je suis fils. Fils de machin. On se fait un petit barbecue là, non? Allez. Petit barbecue. Tu peux me lancer un des 4, s'il te plaît. Qui? 4, 2 et 4. Ah. Ok, donc tu récupéreras 3 morceaux exploitables de l'armure. Ok. Et tu disais c'était plus 4 de plus 2. Plus 2 de... Oui, pardon, plus 2 de... Je te laisse me le mettre dans le... Dans l'inventaire. Ouais, je créerai ça. Voilà. C'est quoi comme arbre qui se trouve autour de nous? C'est du feuillu un peu de tout. Hein. Il y a des lianes ou pas? Oh là là, on va faire genre la jungle. Pas vraiment, non. Pas vraiment la jungle. On trouvera du lierre, au mieux. Ah, il y a du lierre? Ouais. Ok. Je vais récupérer du lierre. Et je vais me concocter avec les dents que j'ai récupérées et le lierre, je vais me concocter un petit collier en dents de loup là. Ok. Je vais enlever les dents de loup de ton inventaire, j'en ai mis quelques-unes. Alors attends. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je vais en enlever 7. Pourquoi tu me les as rajoutés? Tu m'en as rajouté? Non, parce que il y en a 10. Ok, bah j'en ai plus que 3 pour me faire mon collier. Okay. Il y aura 7 dents. Et la dent qui sera tout en bas sera la plus grosse dent que j'ai récupérée du dominant. Ok, comme le collier de Ringer. Ouais.
Après, on ne dit pas, mais c'est Rengar qui s'est inspiré de moi. C'est ce que j'ai entendu dire aussi. Ce sera peut-être dans la saison 2 d'Arcane. Moi, je vais voir s'il n'y a pas des baies à ramasser ou autre. Dans en sortant fourré ou autre. On est d'accord. Quelques petites baies, ouais. On est d'accord que, comme j'ai vécu dans la forêt et tout, je me plante pas sur les baies. Oui, non, t'inquiète. Comestibles ou autre. C'est ce qui est comestible. Surtout que tu manges pas de viande, donc t'es habitué. Mmh. Ah ouais. Pourquoi tu fais ça? Quelle idée. Du coup, je suis en train de devenir le. L'homme de la jungle le plus bling bling du terre-terre. Avec mon collier vert émeraude et mon collier en dents de loup là. Trop stylé. Attends, j'ai des trucs. Il est passé où? Je sais pas, mec, qui a disparu. Ah, il est réapparu. Hop, changer le nom. Voilà. Nice. Solide. Équilibre. Comme un rock. Qu'est-ce que vous voulez faire du coup après ça? On s'est reposé. Mmh. Moi je vais marcher à côté de la ferme. Il n'y a pas de système de repos. En fait, c'est combien d'heures vous voulez vous reposer? Il n'y a pas de système de repos court comme tu peux avoir dans. C'est temps par heure de repos quoi. Oh, ben, 3 jours. 3 jours de repos. Non! Du coup, là, vous serez sur de la récupération, on va dire normale, donc ce sera un PV toutes les 2 heures de repos. Pas cher payé. Moi, je vais pas me reposer, je vais rester éveillé et je vais veiller sur eux pendant qu'ils se reposent si jamais ils veulent se reposer. Je veillerai avec toi. Moi, ça va, je peux suivre si jamais. Non, mais t'inquiète, repose-toi. Drill! Repose-toi si toi mal. On peut se re... C'est quoi, ouais, c'est un PV toutes les 2 heures? Ouais. Ouais, ben on va faire se reposer juste 2 heures et. Et c'est bon. Et pour les animaux aussi? Ouais, on va garder la même règle. Ok. Tac. Et du coup. Pendant notre. On se repose combien de temps? On passe la soirée ici ou. Donc là, vous êtes en début d'après-midi, donc à vous voir quand vous voulez repartir. Drill a dit 2 heures. 2 heures? Ok. Mais 2 heures. Et du coup, pendant ces 2 heures, je vais. Je vais discuter avec Felsen et puis je vais un peu regarder le corps du. Mais non. C'est juste que je voulais pas Felsen. Je vais un peu regarder le corps du squelette et je vais voir un peu son armure un peu cassée comme ça. Et puis je vais faire comme toc toc dessus. Alors Felsen est déjà passé par là pour l'armure, donc il reste vraiment rien. Enfin, il reste vraiment pas grand chose. Ouais, mais je vois quand même que. Enfin, j'ai quand même conscience qu'il y avait son armure avant et tout, et que c'était solide quoi. Et là, ce qui reste, bon bah ça reste un peu solide. C'est plus solide que juste de la peau. Oui, oui, c'est sûr. Voilà. Mais c'est ça que je veux me rendre compte. Et je vais regarder Felsen. Tu t'en es rendu compte en tapant dedans la première fois. Oui. Et je vais dire à Felsen. Ça fort!
C'est quoi? C'est du métal. Ça... Je pointe à sa dague. Vêtements, métal. Ah. C'est fort. Oui. C'est protégé. Je montre mon équipement. Je fais ça cuir. Plus tard, ça métal. Du coup, je viens sur lui et puis je touche un peu le cuir. Et je regarde et je fais ça moins fort. Ça a peau d'animal. Comme le loup? Oui. Et du coup, je lui montre les... Je vais chercher les peaux de loup que j'ai mis de côté là-bas, à côté de gens qui dorment. Et je reviens avec. Et je fais... ça peut faire? Moi, je pourrais pas. Mais... quelqu'un qui travaille le cuir pourra, oui. Ça pouvoir faire. Donc Klaus est un peu déçu. On peut les garder pour te faire une armure plus tard. Après je peux essayer, mais je pense pas. Je réfléchis et je lui dis combien il faut. Ça suffit. C'est les trois peaux que tu as. Loup. Non, c'est une question. Tu as skin. Ah oui, j'ai trois peaux. Ok. Ouais, je pense que les trois pourront te faire une armure, oui. Mais pour ça, on doit aller voir un artisan. D'accord. Peut-être chez Elf. Et là, Klaus, du coup, a très envie d'aller chez Elf. Et du coup, je vais après m'amuser un peu avec ma lance, histoire de m'entraîner un peu avec, tu sais, je la tournoie un peu, j'essaie de faire des coups et tout, pour mieux la maîtriser et être à l'aise avec. Miri, tu fais rien d'autre de... Bah, je suis avec Klaus. Mais sinon, après, non, je surveille doucement les alentours. Ok, bon. On peut dire que 2 heures sont passées. Voilà. Hop, je me réveille. Préparer une armure noire, là. Du coup, vous réveillez tranquillement. On est en milieu d'après-midi début de soirée. Toujours pas de menace à l'horizon. Ok. On va utiliser cette image. Merci de m'avoir permis de me reposer un petit peu. Mais je suis d'attaque pour continuer notre route chez mes cousins les elfes. Y a pas de soucis, ça, avec plaisir. En avant, armure chez elf. Et j'avance d'un pas décidé sans même attendre l'avis de mes compatriotes. Non, de mes comparses plutôt. Tout le monde a récupéré ses PV.
Oui. En fait. On en récupère aussi vu. Non, c'est ceux qui sont reposés. Oui, ceux qui seraient plus. Ouais, toi, tu t'es entraîné donc. Ouais, je me suis pas reposé. C'est pour... Non, mais c'était pour savoir si ça comptait quand même ou pas, mais ça m'aurait étonné. Non. Ok. Hop. Normalement, vous voyez rien. Y'a pas votre token. Ouais. Hop, ça charge. Moi, je vois tout là. Je sais que. Tout le ici là. Tout petit. Je sais que ouais. Ici là. Il y a une elfe qui est vraiment pas mal. Mais elle ne vaut pas l'elfe qui est juste ici et qui est rousse. What the fuck? C'est marrant, t'as montré les endroits où il n'y a rien. Arrête de mentir. Vous voyez toute la carte là normalement? Non, moi je vois que juste ici. Moi je vois jusque là. Moi je vois jusque là. What the fuck? Pourquoi j'ai une plus grande vision? Là. Parce que t'es un elfe. Oh, moi je vois tout. Le MJ il est raciste. Là, je vois jusque là. Oh. Voilà. Là, je vois jusque là. Oh, tu vois plus que moi, putain, c'est fou. Du coup, vous allez suivre un petit sentier. Vous allez arriver à un endroit où il y a un arbre gigantesque ici, et vous allez entendre toutes sortes de chants. Au niveau du sol, au niveau de cet arbre-là. Et toutes les structures que vous voyez là, vous ne les voyez pas vraiment, pas encore. Elles sont quand même bien intégrées dans les arbres, et si vous ne faites pas trop attention, vous ne les verrez pas. Donc peut-être les Sfendri, le plus habitués au village elfique, peuvent voir les plateformes pour savoir qu'il y a quelque chose dans le village ici. Okay. Mais pour vous, pour le moment, il y a juste des champs sous un arbre. Pas forcément plus d'informations. Mais je sors des ma... cultistes. Moi, je vais continuer d'un pas décidé comme en n'ayant rien vu, juste en avançant. Je. Et du coup, depuis tout à l'heure, on est en début de soirée là. Je reconnais ces chants ou pas? Non, tu. Enfin, tu reconnais des rythmiques d'elfes, mais okay. C'est pas les mêmes que dans ton village. Ok. Donc là, j'annonce que j'essaie de montrer dans les arbres et tout pour à Felsen et Klaus le fait que là il y a un village elfe. On est arrivé et essayer de leur faire discerner les plateformes et tout. Oh, Klaus ne comprend pas ce que Drill lui montre et se dit, mais. Pourquoi ils montent des arbres là? Enfin, j'en connais, j'en ai plein chez moi. Il y a plein de montres. Du coup, si tu réussis un jet de perception, je te laisserai voir les tokens d'archer dans les arbres. Moi? Ouais. Les perception, c'est intelligence du coup? Ouais. Ok. Donc tu vois quand même qu'il y a cette plateforme-ci et cette plateforme en haut là. Qui sont quand même deux moitiés de meuf pieds à ça, je me dis qu'on est ok. Tu peux zoomer dessus pour le live. Oui, il y a celle-là, là. Ouais, je vous avais spoilé cette partie de la carte. Du coup, tu vois quand même que vous êtes. Vous êtes déjà vu et que vous êtes surveillé. Donc là, vous en voyez 4, mais en vrai, il y en a environ une dizaine. Un peu partout des archers. Parce que hier, je regardais le live et j'ai pas fait les derniers tokens. Bah super. Et bravo. Moi, je continue d'avancer, insouciant. Ouais, bah moi aussi. Hein. Moi, je conseille juste de ranger les armes. Et est-ce qu'il y a une éthique, enfin, il y a un code de politesse elf genre, je sais non, pas, une phrase qu'il faut pas. Dire une phrase qu'il faut dire en arrivant ou autre pour demander asile ou autre. Il est loin de ton village encore. Ouais. Après, là, vous voyez, vous commencez à voir des elfes et tout qui dansent au niveau de cet arbre-là. Ah, là, ici, on est au niveau d'une plateforme. Là, je regarde Felsen.
qui jusqu'à présent m'a toujours paru être le plus érudit au vu de des récentes élucubrations de Drill avec ses simples arbres. Et je regarde Felsen et je dis pourquoi ils dansent ? Ils sont tous fous par ici, je pense. C'est quoi un fou ? Tu vois Drill ? Mais super. Oui. Là, je te fusille du regard, ah. Felsen, et je fais attention parce que si vous commencez à être désagréable déjà là, ne serait-ce que juste avec moi, qu'est-ce que ça va être avec les autres ? Je suis pas sûr qu'on soit les bienvenus après. J'en ai jamais douté. Hein. Mais bon, je ferai en sorte de ne rien dire. Guidez-moi. Ouais. Merci. Je sais pas si t'as vu le message que je t'ai envoyé sur Discord. Et en gros, le chant, okay. Ça te rappelle des chants dignes à la nature, etc. D'accord. Du coup, ils seront pas très contents si je commence à faire un petit feu de camp pour cuire les restes de loup. Et du coup, quand ils vont vous voir arriver... Il y a 2-3 elfes qui vont quitter les champs et qui vont venir vers vous, du coup. Il y en a un qui va être armé un peu derrière. Il vous tient, mais vous voyez que son arc n'est pas là pour faire joli. Et ils vont dire « Halt, étranger, quittez tout de suite ce village, on n'a pas besoin de vous ici. » Et moi, je vais taper ma main sur le torse et je vais dire « Klaus, pas étranger. » Il y a d'autres elfes qui vont quitter aussi le groupe de danse touriste et qui vont dire qu'est-ce que tu fais ? On est accueillant, on est là pour la nature. Laisse-les au moins se présenter. Ils ont peut-être besoin de se reposer. Si c'est pour que ça fasse comme la dernière fois, je te rappelle qu'on est toujours à la recherche de notre princesse. Ouais, peut-être qu'on arrête d'accueillir tout le monde et qu'on soit vu comme des elfes niais à pas être à toute terre de fang, là. Si vous voulez m'interrompre, n'hésitez pas. C'est quoi, niais ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Je crois qu'on a trouvé. je pose une main sur Klaus, sur l'épaule de Klaus, et genre pour essayer de lui faire comprendre que attends, c'est pas le moment. Et du coup, je vous présente bonjour, cher... Ça ne comprend pas. Cher confrère, nous sommes Lysfendril, Klaus, du coup, Felsen et Lysfendril. Donc je me montre chacun au tour avec Perd et canne à sucre. Nous sommes des aventuriers... Je te coupe la parole. Tu t'es présenté 2 fois. Non. C'est quoi cet égo ? Non, mais ça va pas la tête. Bon, allez, je continue de rien dire, mais... Non, mais... Et nous cherchons l'asile pour... nous sommes en route pour le désert des... C'est quoi, c'est des plaintes ? Ouais. Voilà, donc et nous cherchons... asile pour le temps d'une halte afin de traverser la forêt de Chilipac. Et nous venons d'être attaqués par une horde de loups et un cavalier un peu bizarre et j'avoue que le confort elfique serait le bienvenu si jamais vous acceptez. Est-ce que c'est lui qui avait bien dit niais? Non, en fait, ils sont 4-5 devant vous, juste okay. Que j'ai carte canine. Je vais me rapprocher de celui qui a dit niais, et je vais dire, c'est quoi niais ? En insistant. Tu vois qu'il va être un peu gêné à faire quelqu'un niais. C'est quelqu'un d'un peu elfe. Ah ! Ah ! C'est comme fou ! Non.
C'est quand même bête. Tu n'as aucune excuse maintenant, Drill. Même c'est bien négatif. Tous les elfes sont un peu gênés d'être bêtes, mais... Attention, bête ne veut pas dire fou. Hein. Et du coup, je demande si c'est bien ou pas. C'est bien, Nye ? C'est gentil. C'est pratique. Et du coup, il y en a un qui va... Et du coup, je lève les bras au ciel et avec un grand sourire, je fais « Klaus Nye !» Très fier de lui. Ça va un peu détendre l'atmosphère. Et du coup, y a un qui va essayer de reprendre un peu la conversation, qui va faire va vous présenter au roi et puis on va voir qu'on fait de vous. Très bien. Et du coup, ils vont vous inviter à les suivre. Du coup, vous allez voir que sur tout le tour du tronc ici, il va y avoir un escalier. Qui va être peut-être pas très pratique pour toi, Felsen. Bah, super. Je vais faire un jet d'adresse pour voir à quel point tu galères. Tu vas pas tomber. Hein. Mais juste les marches sont trop hautes pour toi, quoi. Puis c'est surtout monter dans des arbres, t'es pas forcément... Voilà. Moi, je vais être trop à l'aise. Je vais kiffer ce moment, je pense. Ouais, non, mais ça va, du coup, t'arrives à donner bonne figure et à monter. Donc vous arrivez sur la... Merde. Vous arrivez sur la plateforme ici centrale. Hop. J'ai pris le cheveu. Attends, sanglier. Du coup, ils vous ont proposé, si vous voulez, de mettre les sangliers et canne à sucre dans un petit abri, etc. Il est actuellement à deux endroits, le sanglier. Ah, c'est bon. Ici. Il a utilisé le Shadow Clone Jutsu. No Jutsu. Du coup, vous allez voir que vous êtes quand même bien escorté. Hop. On a tous les tokens ici. C'est mon siège, ça ? Et du coup, justement, sur le siège, vous allez voir deux autres elfes. Ah, celui dont je me suis spoilé. Ils ont des pieds normaux. Oui, ils ont tous des pieds normaux. Non, qui sont vos supposés les chefs du village, parce qu'ils s'en rapprochent le plus. Et du coup, Lysandri, tu sais que toi, que chaque village elfe a son roi, tu vois. Ils appellent roi le maire. Donc. Du coup, j'utilise les règles de bienséance, enfin des elfes, de politesse envers la famille royale. Voilà. Et je leur explique la même chose que ce que j'ai expliqué au Aleph qui nous a accueillis. Excusez mes fidèles elfes. Nous traversons une période difficile. Vous m'en voulez pas, hein, je fais pas de courbettes. La route nous a fatigué un petit peu, je suis tout rouillé. Moi je vais m'avancer et je vais faire Klaus en tapant ma main sur mon torse. Et je vais dire, très fier de moi, touriste et nié. Puis alors qu'il va avoir un petit sourire en coin, un peu paternel. Et il va faire bonjour Klaus, je suis... ALS. Hop. Et voici. Merde. Bon, du coup. Et voici ma femme belle fesse. Enchanté. Il a dit fesse. Fesse et fesse. Fesse et fesse. Tu as remarqué, j'ai juste mis une lettre devant elf. Mais où est self? Selfesse? Bah, et du coup, de quel... C'est toi, mec. Non, moi, c'est Felsen. C'est F. Bah, mec. De quel village tu, Lysfendril?
Moi, je viens du bois de Entalamelak. Oula, il est long. La royauté, tout ça. Tu es un sujet de tout en miel. Donc, c'est le nom de ton roi. Ok. Oui. D'ailleurs, sache que dans les coutumes elfes, l'héritier reprend le nom de. Enfin, c'est toujours le même nom pour le roi. Ok. Tu changes de prénom quand tu passes, quoi. Ok. Il n'y a pas de numéro. Ou... Voilà. Du coup, oui, en effet. Est-ce que la reine est belle? Alors, selon les critères elfes, oui. Ok. Est-ce que selon les critères de classe, d'un homme de la jungle, elle est belle? Alors, selon les critères de la jungle, elle a une belle poitrine. Selon les critères nains aussi. Ouais. Bon, je pense que c'est trop tôt pour partir, Klaus, sur... Au point de une parade là. Il n'a pas encore conscience de la beauté et compagnie. Je pense qu'il aura jamais conscience en fait. Quoique, c'est jamais. C'est jamais. C'est pas ce qu'il pourrait apprendre sur son chemin. Du coup, j'en étais. Tu as un sujet de tout en miel. Qu'est-ce qui devient Ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Eh bien, sachez que moi aussi, ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Disons que ma route, à un moment donné... Enfin, j'ai croisé des individus qui m'ont amené hors de la forêt et qui m'ont fait découvrir... la vie en dehors des bois, et jusqu'à très... Enfin, pas longtemps, je n'avais pas le droit de remettre les pieds dans la forêt. Quelle horreur. Donc j'avoue que je suis un peu en émoi de retrouver, même si ce n'est pas ma chère cité, de remettre les pieds dans une autre cité elfique. Une cité? Vous appelez ça une cité? Et là, je regarde Felsen et je le fusille du regard en mode « ta gueule ». Un nain sur mes terres. Je fais un symbole de... Je ferme ma bouche avec une fermeture éclair. Et je ferme la serrure et je fais tomber la clé. Du coup, il comprend pas. Quel est ce geste? Ça, c'est pas mon problème. Il a dit qu'il a arrêté de faire des bêtises, de dire des bêtises. À la bonne heure. Ouais. Donc, que recherchez-vous exactement Là-dessus, le ventre de Klaus se réveille. Et Klaus dit, en levant les bras, « À manger !» J'avoue qu'un peu d'hospitalité, de repos, nous ferait grand bien après toutes ces aventures. Ce combat que nous avons mené plus tôt dans la journée. Un combat, dites-vous? Oui. Oui, Klaus, très fort. Il montre et il joue des muscles comme ça. Comme un Mister Univers, là. On m'a réparé un cavalier. Ah. Ok. Drôle de concept. Oh, oui, bah, il continue de faire des pauses comme ça là, toutes les pauses connues là. Tant que vous soyez la nature, vous êtes les bienvenus ici de toute façon. On est d'accord, un cheval qui brûle, c'est pas normal. Effectivement, j'espère que vous l'avez. Je l'ai permis de. Ok, grand bien lui fasse. Et
Voilà. Un squelette qui se déplace, c'est pas normal. Oh mon dieu, oh non. Eh ben je l'ai été aussi. Et là, je sors ma lance et j'imite le moment où j'ai transpercé le loup. Et le loup, comme ça. Et je plante ma lance dans le sol. Ça, c'est la... Vous avez tué de pauvres loups. Alors, pour notre défense, ils nous ont attaqué, j'ai failli y rester. Allez. Et ils ont attaqué canne à sucre. Allez voir son canne à sucre. Mes chers compagnons n'ont fait que nous défendre, du coup. Moi, je me suis occupé de réparer le cheval et d'éteindre le squelette. Ok, alors... Je crois qu'on va éviter de trop détailler ce que vous avez fait, vous risquez de faire des cauchemars. Et là, là-dessus, je sors les trois pots de loup et je fais. Comment faire armure ? Oh mon dieu. Là, je dis range ça, Klaus. Plus tard, pas maintenant. Oh. Vous avez un artisan qui sait travailler les pots ? On travaille pas les animaux ici, évidemment que non. Wow. On peut faire une armure en feuilles. Vous avez bien des... Et là, je me rapproche très intéressé, je dis, c'est fort, armure en feuilles. Avec un air très sérieux, très... très... comment on dit quand on... Inquisiteur. Hein? Non, je sais pas. Très businessman, voilà. Okay. C'est fort, armure. Moi je dis. Jugez par vous-même, et là il te montre un elfe derrière. Moi je dis, regardez tous vos elfes. Vous avez alors, du cuir sur vos arcs. Je vais que vous voir. Travaillez le cuir. L'elfe. Je vous vois. Et je le regarde et je dis. Non, il n'y a pas de cuir en dessous. Et je le regarde et je fais. Je peux tester force armure? Tu vois qu'il a un peu peur de toi. Oh bah. Et essaye de le faire tomber. Et je le regarde, non, je le regarde non, avec insistance en attendant sa réponse. Non, Klaus. Mauvaise idée. Ça doit protéger de la chute les feuilles. Du vu coup, que c'est son milieu. Je vais voir un autre qui a l'air un peu moins peureux. Et je lui fais, je peux tester résistance feuille. Les feuilles sont pas là pour protéger, c'est surtout pour nous cacher. Je dis feuille, pas fort. Alors, j'ai dit feuille camouflage, enfin caché et ouais. C'est quoi camouflage? Est-ce que je peux demander aux elfes justement de faire une démonstration, enfin là dans les feuillages alentours Bien sûr, il y a lui qui va grimper un peu dans l'arbre et il va se cacher dans une branche avec des feuilles. Mais du coup, le sud du regard, j'imagine. Mmh. Oui, est-ce qu'il disparaît d'un seul coup sous mes yeux, Zebody? Bah, tu le vois de moins en moins bien en tout cas. Mais vu que tu l'as suivi, tu le vois toujours. Oui. Ok. Parce que c'est pas non plus magique. Du coup, je réfléchis longtemps, très longtemps. Vous pouvez faire d'autres trucs à côté, hein. Je continuerai de réfléchir. Du coup, Lucendril, tu vas voir que la reine va chuchoter quelque chose à l'oreille du roi. Et il va hocher la tête légèrement et puis il va se tourner vers toi. Et il va faire bon. Écoutez, je vais vous embêter avec mes problèmes. Ma fille a été kidnappée il y a plusieurs semaines par un groupe d'elfes noirs. Oh. Et on suppose que ce sont des elfes noirs du village de Zuruk. Mais on ne sait pas ce qu'ils en font, surtout qu'ils sont assez ignobles là-bas. Ah, ce sont les elfes noirs.
Et Laos, dans sa réflexion, il tire de sa réflexion et il regarde, il dit « C'est pas bien, elfe noir ?» Non, méchant. Non, les elfes noirs sont mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils sont noirs? Ils sont des pervers de la vie. Ils maltraitent les elfes. Et vous voyez, tous les elfes, tous nos soldats qu'on a envoyés la chercher ne sont pas revenus. Donc. Écoutez, il faut que je. Quoi faire et vous semblez. Bah, il faut que je concerte avec mes compagnons, mais dans tous les cas, même si c'est oui, je pense qu'il faudra quand même d'abord que. On se remette de nos blessures. Et après, une fois qu'on sera en forme, bah, si mes deux compagnons sont OK, on ira vous aider. Profitez de la fête. Profitez du banquet et on en reparle demain. Mais un grand merci, messire. Je serai absent au banquet. Je vais juste aller dormir et. Ah non, attendez. Il y a trop d'elfes. Non, je serai absent au banquet. Tu veux faire des trucs à la fourbe ou tu veux vraiment dormir? Je veux que quelqu'un prenne soin de mon sanglier. Tu vas dormir avec ton sanglier, c'est ça que tu viens de dire là? Non, il espère que des elfes vont se soigner. Est-ce qu'ils ont de l'alcool, les elfes? Ils vont te montrer des quartiers un peu plus au nord qui sont pas forcément sur la carte pour dormir. Ok. Mais du coup, c'est ils vont, pas le lit, tu vas pas passer par. Tu vas devoir redescendre pour remonter, quoi. Parce que là, t'es vraiment dans les quartiers du roi. Ok. Du coup, tu vas être dans un autre réseau d'arbres un peu ailleurs. Ça me va. Mais avant d'aller à la fête, j'ai pas d'idée de trucs fourbes. Je propose qu'on aille quand même tous ensemble dans de là où on va dormir pour poser nos affaires et tout. Et après, comme ça, j'en prends. Bah si, l'arme, ton arme et tout. Garde dans mon dos, mon gars. les pots. Oui, le truc. Je crois que vous avez pas compris le mindset de Klaus encore. Hein. Genre, il y a rien qui bouge, c'est sur lui. C'est un énorme et de plus. Et malheur au malheureux qui tentera de lui récupérer un truc sur lui. Hein. Ouais. Dans tous les cas, au moins pour voir où c'est qu'on dort, quoi, pour pas que. Mais je suis en train de m'y rendre. Ok. Et bah, du coup. Moi, je reste là, toujours plongé dans une intense réflexion. Et si, même si vous me parlez, je réponds pas. Je t'attrape quand même par le bras et je réfléchis en main. Réfléchis en chambre. Je bouge pas. Tu veux faire un jet de force? On peut faire double jet de force pour voir si t'arrives à me tirer pour me faire avancer. Elle va faire un 1. Jet de force, c'est plus. Faire un 20, elle va tomber. Non, il n'y a pas d'échec critique sur le jet comme ça. Ah, elle a fait moins pire. Oh, c'est une vanne. En vrai, à l'écart, elle a réussi. À l'écart, elle a. Il y a une carte de 5 et une carte de 7. Ok, donc j'ai gagné. Ok, ça me rassure. Il n'y a aucun des deux qui bouge. Je ne bouge pas. Du coup, pas trop. Ça vous dérange si. Si Klaus reste là le temps qu'il ait fini sa réflexion? Pendant qu'on va poser nos affaires? Ça prendra combien de temps? Aucune idée. Il est assez imprévisible. Bah dans ces cas-là, ça me dérange s'il est imprévisible. Bon. Bah du coup, je vais attendre que... Oh bah tu l'as aussi. Tu veux pas faire un jeu d'intelligence? Oui. Pour voir si tu réfléchis... Non, Klaus. Pour savoir quand arrive le Eureka.
ça me fait chier. Ça m'emmerde. Moi, je voulais avoir ma réflexion quand j'étais tout seul. Je l'ai eu. Merci, Mary. Du coup, je vais voir le roi et j'y vais un peu en mode discret, en mode. Je veux bien armure feuille intéressant quand même. On vous trouvera un exemplaire à votre taille. Et du coup, je lui tape sur la sur l'épaule d'un air amical, je dis ah merci. Quand tu te retournes, tu vas voir qu'il y a plusieurs arcs qui sont braqués sur toi. Et je fais fi et j'avance et je fais et je me retourne vers le roi et je dis quand qu'on mange avec un grand sourire. Le banquet sera après la fête. Fête ? Où ça ? Oui. Bah en dessous avec la musique. Okay. Et sans demander son reste, je cours pour descendre et aller faire la fête avec les autres. Très bien. Voilà, je suis parti danser toi avec les autres. S'ils sont en train de danser, je danse avec eux. En mimétisme, je fais la même chose qu'eux, je fais les mêmes danses et tout. Est-ce que je peux réussir, en les entendant faire leur chant, est-ce que je peux réussir à reproduire ce que j'entends et à chanter avec eux ou pas ? Par Non, bon, ouais. De toute façon, c'est très cyclique comme chant, donc... Ouais, bah voilà, je vais faire ça, alors. J'accompagne juste rapidement Felsen à là où on va dormir. Comme ça, sur le chemin, j'en profite pour lui parler de la quête du roi. Et pour savoir ce qu'on fait. Enfin, ce que lui, il en pense. Est-ce que tu peux me rappeler ce qu'il a dit, s'il te plaît ? J'ai déjà un elfe à écouter, c'est dur. Si je devais en écouter plus, ça aurait été compliqué. Il a dit qu'il y a plusieurs semaines, la princesse, du coup, sa fille, avait été enlevée par des elfes noirs. Et que le problème, c'est que tous les elfes qui ont été en expédition là-bas ne sont jamais revenus. Et donc, il a dit qu'il était un peu désespéré, qu'on était son dernier espoir. Ça a l'air vachement dommage, son problème. Et ça aura un effet sur nous qu'on se repose et qu'on reparte ? Ben, je pense que oui, parce que du coup, il a quand même bien espoir qu'on peut, en échange de l'hospitalité, on l'aide en retour. Un repas plus dormir une nuit contre risquer nos vies. Pour aller sauver ses gardes, sa fille et tout ça. Je pense qu'il y a arnaque dans la balance, madame. Et ça m'étonne que tu ne penses pas aux récompenses. Il m'en a pas parlé, mais il y a moyen, je pense, de moyenner... Ben justement, s'il en a pas parlé, tu as été naïf de pas demander. Naïf. Il paraît que les elfes sont naïfs. De quoi, moi, j'ai dit que t'es naïf, non ? Pareil. Yeah. Je ne suis juste pas cupide. Je vois pas le rapport. Moi, y a trop d'arbres ici qui sont pas en forme de bûche pour la forge. C'est je suis pas dans mon élément. Mais justement. Les elfes noirs, a priori, habitent dans des grottes. Peut-être que ça te parlera plus. Laisse-moi réfléchir 2 minutes. Je reviens vers toi, une fois que j'ai réfléchi. Ça va être long en classe aussi. Non.
Moi, je pense qu'on pourrait... On pourrait discuter avec ces elfes noirs pour, avant de d'envenimer les choses. Je pense qu'il faudrait commencer par la discussion. Ok. Tu voulais discuter avec des vampires. On a discuté. Bon, derrière Klaus, ça fait Klaus. Donc là, c'est moi qui décide, on discute, ok? Très bien. Allez. Donc je peux dire au roi que... Je peux dire au roi qu'on ira jeter un coup d'œil aux grottes. Ouais. Ça marche. Très bien. Et bien, repose-toi bien. Et là derrière, Klaus bat Klaus. Moi je voulais choisir. Derrière, je Klaus. Le mot-clé de je trouve. D'ailleurs, il va se passer quelque chose, vu que la nuit va tomber. C'est que le collier de Klaus qu'il a autour du cou va s'allumer. En dedans, là ? Ouais, c'est encore plus beau, je suis encore plus pim, c'est encore plus stylé. Son collier en dents de loup ? Est-ce qu'ils sont heureux avec moi ou est-ce qu'ils ont peur ? Non, son collier, vert, là, qu'il a ramassé la dernière fois, qu'il a installé sans vous dire. Mais bon, tu l'as vu qu'il a pas de... C'était un collier qu'on avait trouvé où, déjà ? Je l'ai trouvé sur une des têtes d'un des deux vampires. Ah oui, ok. C'est ça, c'était un des deux vampires qui l'avait. Oh, à tout... Oh ! on sent le rapport OMJ, là. On sent le petit message OMJ. Je vois pas de que vous parlez. Quoi qui envoie des messages aux gens. Je vois trois petits points sur qui Ripo est en train d'écrire. Mais du coup, il va rien se passer de particulier. C'est rigolo ce qu'il vient de dire. Okay. Du coup, il va rien se passer de particulier si vous voulez rien faire de particulier pendant la soirée. Ben moi, il y a quand même un cuvage autour de vous. Il y a certains qui sont hospitaliers et d'autres non. Pardon, ouais, j'ai fait deux fois. Je profite de la fête pour, du coup, en tant que bard, essayer aussi d'apprendre la mélodie, de la rejouer avec ma harpe et d'apprendre le chant aussi. Et quitte à ce qu'il y a, d'autres. D'autres personnes qui sont ouvertes à l'échange, à apprendre aussi des chansons que j'ai apprises autre part, ou même des chansons. Un jet de jonglage et danse. T'as pas de truc pour jouer de la musique, faudrait que je t'embête. Ok. Donc du coup, t'arrives à améliorer, à mettre la bonne ambiance, etc., à participer à l'engouement de la soirée. Oh, et un peu décliver. Il y a un nain qui traverse. J'ai foutu le sanglier en haut à droite. Ah oui, ils sont là. Et du coup, tu t'as l'impression en tout cas que tu déclives un peu la situation. Ok. Mais voilà. Alcoolisé ou non, du coup vous allez pouvoir manger, etc. Vous allez avoir une bonne récupération. Donc ça fait 1 PV par heure de sommeil plus les 2 du repas. Donc ça fait. Ça fait que t'es à combien ? Bon, tu peux revenir largement full vie. Hein. Qui ? Toi aussi, Klaus. Et qui le tue ? Et Felsen. Ah ok, c'est moi. Toi. Et Felsen aussi, tu peux revenir full vie. Et mon pony vos animaux vont avoir... Okay. Oh non, il t'en manquait un peu. Vos animaux vont être un peu soignés... De combien ? Mais pas trop. Hop. Ok. Du coup, si au petit matin, tu vas voir Ferd, il va être en bonne santé, il va être bien reposé, toutes ses blessures ont été soignées. Et il sera, nice. Du coup, il est monté de niveau.
Non. Et canne à sucre va mieux aussi, donc c'est sa plaie est totalement pansée. Bon, il a toujours plus de parties génitales. Mais il pourra reprendre la marche sans trop de douleur, etc. Ok. C'est toi qui as mis... Non, je sais plus à combien il était. J'ai remis le PV, ouais. Pourquoi Felsen cible Isendril? Hein? Le petit rond rouge là que t'as mis, c'est pour dire que c'est ta cible. C'est super. Non, non, non. Super, t'as un crush sur moi, c'est ça? Non. Un marteau à la limite. Mais du pas coup, encore. Au petit matin, vous allez de nouveau être convoqué. Devant Elfes et Belfes. Est-ce que pendant la soirée, j'ai pu faire copain-copain avec le roi ou pas? Le roi était pas descendu. Ah, il était pas là? Dommage. Non. J'espérais pouvoir aller y aller en mode pec. Du coup, non. Tu peux y aller en mode shake avec les elfes avec qui t'es lancé. Hein. Est-ce que Felsen, tu vas aussi à la convocation ou tu laisses y aller à deux? Oui, je peux y aller. J'y vais. Du coup, au moment... Donc, vous allez être convoqué. Cette fois, ils vont vous attendre sur leur trône. Ah, j'ai pas le droit d'avancer dans la pièce. Si, si, pardon. C'est juste qu'au moment où vous allez passer cette zone-là, vous avez l'impression de traverser une sorte de membrane. Et en fait... vous êtes toujours dehors, etc. Mais la température est légèrement différente, l'humidité aussi. Vous avez vraiment l'impression d'être dans une pièce dehors. Et est-ce que moi, je reconnais cette sensation ou autre parce que c'est caractéristique du... Non, c'est pas quelque chose qui était courant chez toi. D'accord. Mais bon, c'est clairement pas naturel, quoi. C'était quoi? Là aussi, il s'amuse parce qu'il est en mode. Hé hey, oh, oh. Il est en mode. C'est rigolo! Parce qu'il sent qu'il y a des changements qui se font et il aime bien. C'est quoi cette membrane? Tu demandes ça au roi et à la reine, quoi? Ouais. C'est de la magie qui a été mise en place par notre érudit d'elfe qui. Permet du coup de nous protéger des intempéries et d'avoir des conditions de vie plus royales. Et c'est les Belfast qui te répond avec un petit sourire. Vous savez, si vous construisez des toits, ça marche aussi. Hein. Du coup, t'es pas à l'air libre là, t'as quand même de la feuille, enfin du feuillage au-dessus de toi, etc. Ouais. Donc il y a un toit. Ça reste des feuilles. C'est pas aujourd'hui que les nains et les elfes vont se comprendre, je pense. C'est bien ce que j'ai l'impression, oui. Mais bon, en attendant, c'est vous qui avez besoin de notre aide, non? Et le roi va faire oui. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé? Mais... Décidé de quoi? C'est quoi la récompense si on arrive à ramener votre princesse? Là, tu vois qu'il se creuse un peu la tête et il va demander à un des soldats derrière, enfin un des elfes derrière, d'aller chercher l'arc enfin, du coup, il va lui demander d'aller chercher l'arc. Donc, vous allez le voir, il va reprendre les escaliers et puis il va partir, etc. Et puis, je peux vous accorder. Un accès à ma bibliothèque, à mes bains, et puis... C'est quoi une bibliothèque? Et puis je vais vous présenter l'arc que je vous propose en récompense. Bibliothèque, c'est là où il y a plein de livres, plein de savoirs. On peut apprendre c'est plein de choses. C'est quoi un livre? J'en ai un dans mon sac, non? Ouais, t'as les cartes dedans. Je lui montre du coup mon livre.
T'en as même deux. Je prends le livre et je commence à le feuilleter. C'est Moby Dick. Et du coup, je montre à Isenry, je fais « C'est quoi ça, Drill ?» Et je lui montre un mot. C'est quoi le mot? Bah, n'importe lequel. Alors, on va dire carte, ça et du coup... Carte. Ouais, c'est ça. je dis, c'est le mot carte, et du coup, je lui montre, comme il y a des cartes dans le livre, je lui montre, ça, c'est une carte. Carte. Comment tu sais ? Et parce qu'il faut apprendre à lire, et je lui dis, je t'apprendrai si tu veux. Oui. Et il fait un drill courageuse. Et du coup, vous allez voir l'elfe revenir. L'elfe revenir de l'intérieur du tronc, du coup. Et du coup, il a un autre arc avec lui par rapport à tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous prêter l'arc le temps qu'on fasse la mission? Ce sera plus simple pour nous pour pouvoir vous ramener votre fille. Bien... Si jamais un combat vient à se déclencher. Bien évidemment, des elfes à elfes, je vois pas où serait le problème. Et du coup, il y a l'elfe derrière qui prend l'arc, qui encoche une flèche. Et vous voyez la flèche qui commence à devenir blanche. Et du coup, il tire la flèche et ça fait une petite traînée de glace derrière la flèche. Incroyable. Mais attention, vous avez encore manqué la cible. Non, et là, je vais voir et je vais faire « Oh !» Et je vais toucher la glace. Est-ce que ça me fait quelque chose ou pas, de toucher la glace qui est sur le sol? Alors non, les flèches sont normales et elle est devenue de glace en fait. Ah, elle a atterri où la flèche? Elle est partie à cause de tirer en dehors de l'arbre. C'est où Drew? Oh, et je regarde le mec et je fais refais. Du coup, il va réencocher une flèche, donc tu vas la revoir devenir blanche et cette fois il va la tirer là. Je vais foncer pour toucher la flèche, pour attraper la flèche. Et du coup, elle est froide, elle est en glace. Voilà. Et du coup, je vous présente l'arc de Givrelf. C'est un arc qu'on possède dans le village depuis quelques générations. Mais... Est-ce que, avant de partir, je pourrais. Vous auriez des ouvrages concernant des forgerons ou des. Il était possible d'en consulter un, deux? Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans la bibliothèque. Delph sera plus à même de vous répondre, mais. Je vous laisse lui demander. C'est la pitié? C'est D avec Elf derrière. C'est oui, mais c'est qui? C'est bibliothécaire. C'est l'érudite, c'est ça? Ouais. Je vais lui parler. Du coup, pareil, quand tu passeras à la bibliothèque, tu vas ressentir la membrane. Ok. Ouh, bonjour. Oula. Un nain dans ma bibliothèque. Klaus, tu veux venir? Ouais. Oui, bon, écoutez, faut bien... Je continue de regarder la flèche. Non. Et je continue de regarder la flèche. L'elfe, il te tend l'arc Alessandril avant que tu partes, quand même. Ok, très bien. Merci beaucoup. J'en prendrai grand soin. Et du coup, le refus, ça veut dire que vous acceptez? Oui, on va aller... On va aller aux grottes de Zuruk, c'est ça? C'est ça. Grand bien raison. Est-ce que vous auriez des ouvrages concernant les des forgerons, des plans de forge ou des choses comme ça? Sur comment faire comment faire de la poudre noire, peut-être? Laissez-moi regarder. Je vais fouiller un peu dans mes livres. Je sais plus. Est-ce qu'il y a une langue elfique dans Nalbuk ou est-ce que c'est tout le monde parle la langue commune? Non, c'est plutôt la langue commune. Ok.
Et du coup, pour revenir un peu sur du méta, du coup, pour transformer ta flèche en gif, ça te coûtera du mana. J'en ai, moi. Donc je t'ai rajouté une barre de mana, là, la barre bleue. Okay. Et du coup, je te laisse lire l'art que je lis dans ton inventaire. Énergie astrale, ok. Inventaire. C'est... Il est où ? L'arc de J. Et du coup, elle va fouiller un peu, tu vas voir qu'elle va sortir quelques livres. Si tu regardes en tant qu'elle, tu vas pouvoir voir quelques livres aussi, mais tu vas voir surtout des livres sur la nature, tu vas avoir quelques livres pour enfants, tu vas voir, des livres sur des cartes du coin, etc., mais pas forcément sur de la culture naine. Oui, je me doute bien, mais on sait jamais, c'est la première bibliothèque que je vois depuis un petit moment. Moi aussi, j'aurais une requête, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un imagier pour apprendre, en fait, les mots ? Donc là, je le pose de contexte. Voilà, on a un compagnon, Klaus, qui a vécu jusqu'à maintenant dans une jungle, et du coup, son... Ah ben oui, on peut lui prendre des livres pour... enfin, on peut lui montrer des livres pour enfants. Voilà, son vocabulaire est assez... assez limité, et sauf qu'il souhaite, enfin ça nous faciliterait la vie aussi pour nous aussi, il souhaite apprendre ardemment à parler comme nous. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas des livres qui pourraient nous aider au moins déjà ne serait-ce que élargir son vocabulaire? Et il aimerait apprendre à lire aussi. Je peux vous trouver quelques abécédaires si vous voulez. Ouais, est-ce qu'il serait possible de vous les emprunter Un abécédaire, ça doit pas être très compliqué à refaire. Le roi vous a dit quelque chose ? Il nous a autorisé à utiliser la bibliothèque. Et pour plus de détails, demandez si vous accepteriez nos requêtes. Ok, je vais aller lui parler. Je vous sors quelques livres et je vais aller lui parler. Très bien, merci. Merci beaucoup. Et du coup, la réponse à ta question, c'est oui, si tu veux, Klaus. Ok. Eh ben, je fais ça. Je suis assis en tailleur, comme ça, au milieu de l'arbre et tout. Et je tiens mon truc. Et puis, en ayant froid aux mains, comme ça, je me dis, oh, je veux les réchauffer. Et du coup, bah, ça fait apparaître une petite flamme dans mes mains. Ah je ferme. Et là, je m'intéresse plus à ça. Et je suis en mode, oh. Et j'imagine que la flèche fond. Ouais, mais ça redevient une flèche de bois classique. Il brûle maintenant. Qui va finir par ne plus être mouillé. Ouais. Et du coup, je la pose et je me concentre plus sur ma flamme et que je trouve rigolo d'avoir dans ma main. Enfin, entre mes mains comme ça. Alors, avant de voir les réactions de tout le monde autour, elle va vous sortir quelques livres. Vous aurez des livres sur une liste d'animaux. C'est A comme aigle, A comme alligator, A comme machin. Vous aurez des trucs un peu pareils avec les différentes races, les différents. Un peu ce que vous voulez, les différents éléments, tiens, des trucs comme ça. Donc vraiment des livres pour enfants. Et après, des débuts de livres pour apprendre à lire, un truc comme ça. Archaeopteryx. Voilà, par exemple. Bah, du coup, c'est totalement des animaux à chaque fois. C'est pas des... Il y aura rien sur des crêtes. Vous n'aurez pas G comme gobelin, par exemple, typiquement. Okay. Il y a des plantes aussi ou des trucs communs. Ouais, tu peux. Oui, c'est ça. C'est des trucs elfes, hein, de toute façon. Okay. Donc oui, ça peut être animaux, plantes, éléments de la nature, genre feu, eau, glace, trucs comme ça. Est-ce qu'il y en a pour apprendre à lire aussi? Et justement, à ce que j'ai dit, il y a quelques livres pour faire les débuts, les premières lectures. Nice. Hop. Et du coup, elle va sortir. Mais du coup, on va sortir avec les quelques livres, les deux, trois livres que nous avons. Ouais, bah, je les mets dans le sac. Enfin, je les mettrai dans le sac de canne à sucre, je pense. Voilà, ça poche. Alors, attends, si je te les mets. Hop. Tu commences à être beaucoup trop lourde par rapport à... Tu commences à galérer à porter toutes ces affaires. Mais après, si je mets dans il y a canne à sucre, pas un sac ? Si, tu peux lui mettre une sacoche, oui, pour le moment, je suis pas sûr. Je sais pas comment on fait pour lui mettre. Je suis pas sûr que tu
Je te créerai une sacoche. Ok, merci. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous allez essayer de sortir de la membrane derrière Delph, en fait, ça va être un mur transparent. Et vous n'allez pas pouvoir sortir. Quoi ? Elle veut dire, je verrouille la bibliothèque, je vais parler au roi, je reviens. Comment ça ? Bah, du coup, comme elle n'est pas sûre, vous pouvez partir avec les livres. Ok. Elle vous enferme dans la bibliothèque. Et elle ne voit pas Klaus avec sa flamme. Vous voyez quand même, du coup, Klaus qui est en train de jouer avec du feu, là. Est-ce qu'on nous entend à travers ? C'est notre grand garçon. Oui, enfin, feu dans une forêt, je suis pas sûr. Hein. Klaus, arrête ! C'est dangereux ! Je les entends pas. Une grande idée. Si tu veux les entendre, tu les entends. C'est pas, je suis trop concentré c'est juste, sur ma flamme pour les entendre. Ouais, tu les entends malheureusement. Pas. Tu aurais pu. Et du coup, vous allez alerter un peu les elfes autour qui vont regarder ce qu'il fait. Et ils vont être, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de mettre le feu à la forêt, on savait que c'était pas une bonne personne. Mais non ! Il fait pas exprès ! Et du coup, tu vas avoir, si tu fais attention, tu vas avoir plusieurs arcs braqués sur toi, là, Klaus. Vas-y, Klaus, donne tout. Et là, je vais relever la tête, et je vais leur montrer, je vais tendre la main avec ma flamme, comme ça, et je vais faire, c'est beau, hein ? Vous voyez, il est pas méchant, il contrôle, enfin, il se rend pas compte. C'est la première fois qu'il fait ça. Klaus, niais. Et après, je vais regarder Lysandry et je vais faire non, j'ai déjà eu flamme comme ça. J'ai déjà eu feu comme ça dans main. Bah, c'est la première fois que je vois ça. Bref, Klaus, tu leur fais peur. Delph va arriver derrière, va faire un petit mouvement de main et ta flamme va s'éteindre. Et puis elle va retourner à la bibliothèque. Je perds. Oh. Et du coup, je vais la suivre. Je vais la suivre. Et quand comment vous avez fait ? Alors, est-ce que tu sais que c'est elle ? Je sais pas. Bah si, elle a fait le mouvement de main et que ça s'éteint juste après, j'ai dû le comprendre, okay. Non ? Oui. Enfin, à part si j'ai pas vu son mouvement de main. Ouais, elle était pas forcément en face de toi, vu que tu regardais vers là. Ok, bah du coup, non. Je vais juste la mettre en mode, oh, bon. Et je vais hausser les épaules. Et puis, je vais commencer à aller vers la bibliothèque pour rejoindre les autres, quand même. Du coup, j'ai vu avec le roi, si c'est juste ça les livres que vous voulez, c'est bon, allez-y. Prenez. Très bien. Et là, je vais voir tous les livres et je vais faire... Wow. Et vous voyez que Lysandril commence à galérer à se déplacer parce que c'est lourd. Bon courage. Est-ce qu'il y a un livre qui est particulièrement beau qui peut attirer mon regard avec ses belles couleurs ? Oui, il y a plusieurs livres qui ont des belles couvertures ou autre. Mais ça fait longtemps que vous êtes une elfe ? Je dis ça pendant que Klaus se balade à chercher un livre. Comment ça, quoi, vous comme êtes couleurs une... qui sont bien. Tu vas t'attirer par quoi ? Par le vert ? Ouais, s'il y a un truc vert émeraude et tout, comme mon pendentif, là. Ça se trouve, oui, tu peux avoir une couverture. Bon, ça sera pas de l'émeraude, parce que bah, du coup, t'es dans une forêt d'elfes, mais ce sera du vert très pâle. Ok. Érudit, c'est une bonne position, du rouge, ça doit tout bien rouge. Attends, c'est quoi comme question ça ? Ça fait combien de temps que je suis elfe ? J'essaie juste de distraire son attention pour pas qu'elle fasse attention à Klaus. Ouais, non, mais j'avais compris l'idée, mais je réponds quoi ? Ouais, je sais pas moi. C'est ça le but. Ça fait combien de temps que je suis elfe ? Klaus, fais attention, c'est fragile. Je peux utiliser Fireball si tu veux. Vas-y, utilise Fireball. Je vais prendre le plus. Je vais prendre le plus beau livre que je trouve. Je vous laisse avec vos questions. Hein. Et je vais la voir et je fais. Je peux prendre. Ah, attends, ça peut être quoi comme livre ? C'est probablement un livre de. Allez, retour. D'apprentissage, ça aussi.
C'est pas le livre dont il nous a parlé. Non, c'est pas le livre dont le roi nous a parlé pour pouvoir, que les elfes noirs voulaient en échange de la vie de la princesse. Je crois qu'il nous le faut pour le truc. Si on peut partir avec tout de suite, ça peut être. Il a parlé de ça. Il m'en a pas parlé. Je vous promets. Ok. Mais j'irai lui demander tout à l'heure, mais allez-y. Du coup, tu m'as dit oui. Qu'est-ce que. Felsen. Oui, mais pour moi, okay. J'écoute pas ce que Felsen dit, il parle trop. C'est l'objectif. C'est quoi, elle a raté son jet d'intelligence, c'est ça? Bah, avec un 18, je sais pas quel jet elle a raté. Non, mais je sais pas pourquoi t'as lancé un jet, pour moi, c'était le Fireball a échoué, donc. Du coup, je lui montre, je garde la main tendue et j'attends sa réponse en la regardant. Avec le livre dans la main. Oui, c'est bon, Klaus. C'est le bon livre. Tu t'es pas trompé. Et là, je dis, c'est pas à toi que je parle, fils. Mais. Du coup, je la regarde, je dis, je peux prendre. T'as deux belles, hein, tu sais. Merci. T'es trompé pour Delph. Tu lui as mis un B. Non, c'est juste que j'étais pas sélectionné sur elle. Ah oui, c'est son token qui a pas le bon nom. Et du coup, je range mon livre dans la. Dans... Je le range. Voilà. Non, mais c'est. L'histoire voulait que ça soit écrit comme ça. Ah ouais, c'est sûr. Sinon, juste par rapport à Klaus et sa flamme là. En tant qu'érudite, et magicienne a priori, est-ce que vous avez des explications? Ça a l'air d'être, j'écoute déjà d'être plus, une découverte de la magie spontanée. D'accord. Bon courage pour lui expliquer ça. Allez, j'ai du travail. Bah, du coup, moi, je montre mon livre à ce mec-là, non, à cette meuf-là, et je fais hé hé, regarde, c'est à moi ça maintenant. Très fier de la couleur de mon livre. Ok. Si t'es sorti de la bibliothèque avec, il considère que c'est normal, en fait. Bon. On y va ? On se met en route ? Ouais. Au revoir, le roi, merci, ciao. Je suis... Pourquoi on va où ? Et je les suis. On va. Dire bonjour aux elfes noirs. Et je pointe mon marteau, dire bonjour. Ok. Donc vous reprenez la route. Yeah. Je suis en train de râler auprès d'un joueur parce qu'il est en train d'essayer de me faire ajouter des livres. Faites quelque chose quand même pour Lysandril parce qu'elle peut pas porter autant. Enfin, il peut pas porter autant. On a bientôt fini, Jean-Michel Guy. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être passé. Bonne soirée, bonne nuit. Potentiellement close. À la prochaine. Claire, close, elle peut pas les accrocher à son poney. Ah si, pardon, on avait dit ça. Normalement, j'aurais une sacoche. Qu'est-ce que t'as de trop? Comment ça, j'ai trop de trucs sur moi, c'est pas possible. Ah, c'est la peau, elle fait 30 kilos. Attends. Comment ça, la peau fait 30 kilos? Hop, c'est pas normal, laisser. C'est pas 10 kilos une peau aussi? Non, ouais, c'est vrai, c'est plus que 6 kilos. Bah, à part si t'as pris toute la fourrure. Et encore, je pense pas que c'est pas 10 kilos. Bah, non, même un loup. Le loup. Et toi, Felsen, t'es où? T'es sous le. Non, toi, t'es bon. Il est sous le sanglier, comme d'hab. Ah, il faut que je mette le sanglier avant. Je ferai pour la prochaine fois. De toute façon, on peut s'arrêter là en vrai. Hein. Ouais. Juste, je vais vous montrer le village. Tu vas nous spoiler comme ça là. Ouais. Du coup, vous allez faire la route.
Non, moi j'ai rien vu. Ah, quoi que, on est allé à l'intérieur. Non, hein, nous spoil pas. On est dormir. On est allé dedans pour dormir. Le village des Ozurk. Des elfes noirs. Ah, ok. Bah non, nous spoil pas. Non. Juste. Faire un devant, mais. Kukirit, après un livre, quelle couleur là? Rouge. Ok. Rouge rubis. Ouais. Je pense que tu poses trop de questions, mec. Quoi? Tu poses trop de questions, mec. Bah super. Merci, Kiri. T'inquiète. Du coup, ok. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça me va. Est-ce que... Non, c'est bon pour vous. On va pouvoir... Yep. Est-ce que les stats sont mieux? Moi, j'ai baissé. Il est mort, vous rougez. Arc-en-ciel. Ouais. Comment vous faites déjà vos trucs médians et compagnie, là? Tout en bas à gauche, t'as un petit dé à côté de ton nom. Clique dessus, t'as tes stats. Hey, j'ai fait 3 net 1 et 3 net 20. Ouais. J'ai fait 4 net 1 et 1 net 20. Mais tout là. Et 7 16. Pourquoi il y a eu 2 fois? Ah merde, j'ai mis 2 fois, Myriam. Ah, parce que tu l'as mis. 7 16. 3 1, 3 4, 3 11, 3 16 et 3 20. Ouais, 7 fois 16. Et j'ai fait 33 rolls. Vraiment, le chiffre 3, c'est mon truc aujourd'hui. C'est Miri qui a fait le plus de jets. Ouais, mais il y a aussi les jets de mon sanglier aussi que je fais. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais moi, j'ai plein de mobs et j'en ai fait moins que vous. Bah après, t'as passé la moitié de ton temps stun, moi, avec... C'est vrai. C'est vrai. Le cheval aussi qui bougeait plus. Après, je pense, ça, c'est les all-time, hein, c'est... Ah, c'est depuis qu'on est passé sur Forge, ouais. Oui. Donc, depuis... Ma moyenne est quand même la plus haute du groupe. Avant Ethico, mais la plus haute du groupe. C'est quoi la moyenne? C'est min ou médian? Je sais jamais. Min. C'est min. Médian, c'est la médiane. Ok, bah moi, c'est 10. Moi, c'est parfait en fait. Je suis vraiment. Je suis un équilibre, je suis Bouddha. Non, parce que la moyenne avec un des 20, c'est 10,5. Pourquoi est-ce que tu peux pas faire 0? Oui, mais regarde, mon médian c'est 11. Et le milieu de 10 et 11, bah c'est 10,5. Mais le médian et la moyenne, ça n'a aucun rapport. Mec, je pense que. C'est parce qu'il n'y a pas les virgules, mais je suis sûr qu'il a 10,5. Réel. Ok, ça me va, tu m'as convaincu. Est-ce que, avant de se quitter, je lâcherai pas un petit D20 là? Pour porter chance. On lâche tous un D20 là pour porter chance? Alors non, toi, tu, y a personne qui lâche de D20 sans moi, sauf moi. Moi j'ai le droit. Pour le plaisir. C'est pas un plaisir, mec. Je peux? Non. Ah bon? Attends. Ouais. Attends. Tu parles de ton D20 entre deux aventures là? Ouais. Mais vous venez de la commencer. Mec, tu vas me dire que c'est pas une aventure les loups là? Non, c'était franchement. Alors de base, il y avait juste 5 loups. Mais quand vous faites des échecs critiques, il y a le cavalier démoniaque qui a des. Ah! Oh putain, d'accord. Et du coup, c'est ton 20 de perception qui l'a fait débarquer, Miri. Ouais, je sais. C'est moi, salut. Bah du coup on a pris plein d'XP, on n'a pas level up. J'ai pas mis à jour votre XP, c'est vrai. Attends, j'ai... Ah ouais. Oh, oh bah, on va partir sur ça alors. Ça serait du coup il y avait 3 loups. Attends, je vais prendre mes mobs. 3 loups, dont un mal alpha, hein. Lui il vaut au moins 4 loups. Je sais. Et pour les interactions sociales aussi, on peut prendre de l'XP? Ouais. Bah du coup t'auras rien pris, mec, c'est dommage.
Bah si mec, grâce à moi, t'as pu partir avec un livre gratuitement. Alors, il y a deux fois ça, plus... C'est pas faux. Donc là, ça fait... Et puis j'ai réussi à récupérer l'arc de... Enfin, globalement, on a oublié les elfes. Actuellement, là, les elfes... Moi, je savais pas où il fallait aller voir les elfes noirs. J'ai demandé c'était... les récompenses avant, mais je savais pas où était la quête. Hein. C'était totalement prévu que vous partiez avec la récompense de quête. Hein. ça fait ça. Du coup, vous n'allez pas level up. Bah, mais globalement, on pourra demander aux elfes noirs ce qu'ils en pensent de d'aller rendre visite au roi. Faites gaffe. Klaus, il a appris que quand c'est noir, c'est pas bien. Alors, ça risque de très vite partir en couille. Après, le roi a jamais demandé ce que sa fille soit, lui soit remise vivante. Il a dit qu'on lui ramène, c'est tout. What the fuck. Donc si elle casse trop les couilles, paf, on la répare. Klaus, il sait même pas ce qu'on va faire là. Donc tu pourrais me convaincre de faire n'importe quoi et de dire n'importe quoi. Je serai en mode ok. C'est bon pour l'XP, je suis à jour. Je mettrai vous les okay. Inventaires sur. Moi, ouais, c'était cool. Ouais. T'as mis à jour tout l'autre XP ? Ou non, là, on doit le. Ouais. Okay. En fait, je le fais pas comme sur votre campagne, j'ai une deuxième fiche de vos persos. Ok, là, tu l'as pas mis du coup. Dessus. J'ai pas mis sur. En fait, vous aurez juste le level up sur votre fiche que vous voyez. Ok. Parce que là, je vois. Donc, je vous dirai quand mettre 300. Oui, moi aussi, j'expérience. Bah, sachez que vous avez tous plus que 100. Mais vous n'êtes pas encore à 300, donc vous n'avez pas l'annonce. Okay. Du coup, je vais mettre 100. Hein. Ce sera plus proche que 100. C'est bien. C'est bien. Bon. Bah, merci bien. Oui, il y a quelques écarts d'XP là qui apparaissent. Oh ah. Ouais, il y en avait déjà avant. Est-ce ouais, qu'on ça... peut être... Ça s'est décreusé aujourd'hui, quand même. Ah. Moi, je pense que le fait d'embrocher des loups, c'est utile, quoi. Ouais, globalement... Je pense que réparer les rotules des chevaux, c'est utile. Je vous dis pas qui a quoi, mais je vous dis combien vous êtes. Qui a fait ? Alors, ah oui, c'est vrai, tu avais déjà fait ça. Il y a quelqu'un qui a 210, quelqu'un 230 et quelqu'un 245. Ok. C'est marrant. Et toi, t'as voilà. Combien, Tico ? Moi, j'ai 4000. Ok. Mec, on va bientôt te rattraper, fais gaffe. Hein. Ouais, j'espère. Et Ferd, il va bientôt level up ou pas ? Il n'y a pas de système de level up sur Ferd. Parce qu'il a été super fort. C'est vrai, qu'il s'est bien battu ce con. Et du coup, ce que j'ai dit à Lys Fendril l'autre jour, parce que ça la concerne plus, mais vous n'allez pas tarder à arriver dans le désert. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, pour le moment, on s'en fout un peu de tout ce qui est gestion des ressources. Mais ouais. Dans le désert, tout ce qui est eau et bouffe, ça va être à surveiller. Et pareil pour... les routines matinales que vous pouvez avoir éventuellement, on va commencer à faire attention à ça dans le désert. D'accord. C'est quoi une routine matinale ? Bah, typiquement, un elfe, il doit être joli le matin. Alors... quoi. Donc là, jusqu'à présent, vous dormiez dans des endroits où elle pouvait prendre un bain, etc. Enfin, il pouvait prendre un bain à Elsfendril. Donc, je faisais pas de cas. Mais dans le désert, ça va être autre chose. Quoi. Mm-hmm. Quelle idée. Pas un bain. Moi, je prends une douche. De temps en temps. Une fois tous les... Quoi. Allez, la dernière, c'était quoi ? C'était il y a deux ans ? À peine deux ans. Ouais, ça. Je suis presque sûr que t'as eu une douche le jour du drame. Possible. La veille. La veille ? Ah oui, c'est ça apporte malheur. C'est ça. C'est pour ça qu'il s'est pas douché depuis. Exactement. C'est... Parce que j'ai peur que si je reprends une douche. Pas fou, hein. Une fois, pas deux, hein. On va faire ces conneries. J'ai peur de reprendre une douche et de recoser un drame.
Moi, la dernière fois que je me suis douché, j'ai des ranks. Hein. Tu peux faire un jeu d'intelligence, Klaus, s'il te plaît. Super. Et je te laisserai interpréter toi-même le résultat pour la vitesse à laquelle tu apprends les mots des abécédaires. Ok. Ce sera tout le temps ou alors à chaque fois je placerai un G? Bon, je pense que ça peut être un truc, c'est ta compréhension globale, donc ça peut être... Après, comme tu veux. Grosse pression. Ah non, 20. Ah non, 20. Du coup, c'est plutôt moyen. Ouais, t'apprends bon, pas vite, mais t'apprends pas lentement, quoi. En vrai, j'avais prévu un truc en mode... peut-être 2 ou 3 lettres en plus par session. Ok. Après, tu aurais fait un 1, t'aurais pu me dire la même chose. C'est vraiment ton interprétation. J'aurais fait un 1, j'aurais été plus bold. Hein. J'aurais balancé un 5-6 lettres. J'aurais lâché un 5-6 lettres par séance. Bah, 2-3 lettres, c'est pas énorme, hein, sachant qu'il y a 26 lettres. On part sur du presque 10 séances avant que j'ai l'alphabet complet. Hein. C'est pas. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Après, compte pas en séance, compte plutôt en jour, parce que vous allez faire des... Il va y avoir des ellipses. Mmh. Bah, c'est pour ça, c'est encore... Bah, d'ailleurs, c'est encore plus cohérent dans ce cas. À la limite, je rajouterai 1 ou 2 lettres en plus, s'il y a vraiment des grosses ellipses, quoi. Si je mets cette map à l'échelle... Ça fait 10. Donc, ça fait 2. Je vous mets la map de voyage, enfin de la forêt à l'échelle, si vous voulez voir les distances. C'est ça. Ouais, à peu près. Du coup, là, vous avez une 20aine de kilomètres à marcher dans la forêt. Vous avez tout droit. Donc, ça fait 2-3 jours. Ouais, on va dire ça. Parce qu'on va quand même traverser le chemin de l'oubli. Ouais, c'est pour ça que je vous ai pas emmené tout de suite au village. Donc si vous voulez faire un détour, vous pouvez me le dire maintenant. Sinon, vous passez par le chemin de l'oubli. Non, on va tout droit. On peut soit 22 km, soit 18. 18. Et en plus, ça tire plus vite en 22, en marchant à côté de la forêt, ils vont plus vite que les 8 dans la forêt. Quoi. Surtout si t'as prévu une ellipse où on passe pas par le chemin. Ou sinon, faut que tu cales un truc sur le chemin de l'oubli quand même. Ah, c'est pour ça que. Du coup, vous passez par le bord de forêt. Bah ouais. Hein. En plus, il paraît que Felsen, il est pas trop à l'aise en forêt, donc. Il y a trop d'arbres. Autant prendre le petit détour. Hein. Je vous annonce que H patate, H navet, H poireau et H carotte, je vais les skip. Hein. Oui. Super. Il y aura se passe rien de particulier. Ouais, bah moi je suis d'accord parce que si on prend pas la forêt où Klaus est à l'aise, bah on prend pas non plus les villages où Klaus est pas à l'aise et où Felsen est à l'aise. Voilà. Voilà, je suis d'accord. Allez, on va directement voir les elfes noirs. Non, mon coloriage. Regardez là, je fais. Attends, je vais faire ça. Ça. Et hop. Quel bâtard. Je pense bon, qu'il va se battre là. Je vais faire. Oh, il y a un truc là-bas là. Coucou. J'ai plus le droit, assis. Ah oui, toujours le coucou en bas. Je vais faire. Ouais. Ah oui. Clôturer. Je me demande qui l'a dessiné. Orange, je me demande. Mais clôturer. C'était il y a. Ouais, c'était au moins l'année dernière que j'avais fait ça. Ah ouais, au moins, oui. Ben, littéralement, oui. Oui, je sais. Ouais. Et C'est quoi ce rond là? Je sais pas. Et du coup, merci beaucoup en tout cas pour la séance. Merci, c'était chouette. Bonne soirée. Bonne soirée. Trop bien. Merci.
des bisous tout le monde. Des bisous. Ciao. On a loupé le Klaus. J'ai coupé en plein milieu, je m'attendais pas. Bah écoutez, voilà. Hop. On a clôturé cette petite séance. Bon, finalement, tout est bien qui finit bien. Hein. Moi, je m'attendais vraiment à crever. Hein. C'est pas passé loin. Bon, a priori, on n'est pas passé loin du coma, on va dire. Non, de la perte de connaissance, plutôt. Trop hâte de réparer d'autres animaux. Ah, tu vas peut-être pouvoir réparer des elfes noirs. Écoute, que tu considères sûrement comme des animaux. Vu ta vision des choses. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être passés, d'être restés aussi jusqu'au bout. Voilà. Là, je vous vois plein en lurk. Donc, merci beaucoup. On se dit à demain matin. Voilà. Peut-être pas 9h, on va peut-être se dire plus 10h, parce que là je suis absolument explosée, donc je vais essayer d'en profiter pour dormir un petit peu plus. Donc on se dit à demain matin pour du coup, on va faire une petite parenthèse, on va pas reprendre les fanarts sur Hollow Knight, mais justement essayer de réfléchir un petit peu ensemble sur... qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la chaîne en termes de d'émotes, de badges, de points de chaîne aussi. Voilà. Essayer de faire au moins un brainstorming, voire peut-être des croquis. Voilà. Pour que après je puisse bosser sur ça off le plus rapidement possible pour qu'on ait un joli petit truc personnalisé, quoi. Voilà. Si jamais vous n'êtes pas là demain matin, par exemple, mais que vous avez déjà des idées que vous voulez soumettre, n'hésitez pas à les balancer sur le Discord. Hein, on prendra en compte tout. Voilà. Et on essaiera de faire au mieux. Voilà, voilou. Donc je vous dis à demain matin, plus vers 10h du coup. Et...